Bonsoir, bienvenue pour cette première rencontre du cycle Un livre des collections, qui est un nouveau cycle de rencontres organisé par la BULAC autour des nouvelles publications en sciences humaines et sociales mobilisant les logiques des études aréales et donc des sources non occidentales pour faire de la recherche. Nous recevons aujourd'hui Augustin Jomier, qui est maître de conférence à l'INALCO et membre du CERMOM, qui vient de publier aux publications de la Sorbonne, pardon, les éditions de la Sorbonne, le nom a changé récemment, Islam, réforme et colonisation dans la collection Bibliothèque historique des pays d'Islam, qui va donc nous présenter ce livre issu de sa thèse, mais je profite de sa présence pour faire également une annonce d'une deuxième publication dans laquelle il a été engagé, qui est une publication plutôt d'ordre pédagogique, Le Maghreb par les textes, publiée chez Armand Collin, et qui est une collection de documents pédagogique, donc d'appui à l'enseignement, de sources arabes pour faire... Non, pas du tout, pas seulement. Arabes et européennes. Arabes et européennes, mais en tous les cas, qui donnent une place nouvelle aux sources arabes dans l'étude de l'histoire du Maghreb. Et cette place nouvelle faite aux sources arabes dans l'histoire du Maghreb est justement quelque chose qui est au cœur du travail d'Augustin Jomier et sur lequel nous voulions nous arrêter aujourd'hui. Alors, la thèse d'Augustin Jomier est sous-titrée « Une histoire de l'ibadisme en Algérie 1882-1962 ». C'est une thèse qui porte sur un territoire particulier de l'Algérie, qui est un territoire du Sud, le Mzab. L'ibadisme est lui-même une forme originale et peu connue de l'islam. Le Mzab, une région relativement peu étudiée de l'Algérie. La première question que je voudrais vous poser, Augustin, c'est comment est-ce qu'on en arrive à définir cet objet de recherche? Quel est le cheminement intellectuel et, on va dire, de vie qui amène à se concentrer sur ce type d'objet? Alors, tout d'abord, bonsoir Benjamin, et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré d'être le premier à inaugurer ce cycle de conférences. Et donc, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe de la BULAC, spécialement le pôle médiation, pour cette organisation, et aussi pour rester ouvert ces jours-ci. Le fait de garder des bibliothèques universitaires ouvertes est essentiel pour notre travail et celui de nos étudiants. Alors, merci de cette première question. En effet, a priori, et bon, j'espère que le titre ne semble pas trop ardu, mais c'est vrai que c'est un sujet assez pointu. Je travaille donc sur l'ibadisme, une branche très méconnue de l'islam, qui n'est ni sunnite ni chiite, j'y reviendrai rapidement, et sur une région du nord du Sahara algérien, alors sur la région du Mzab, comme vous voyez là sur cette carte. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je me retourne. Vous regardez sur l'écran, sinon vous allez vous... Alors, voyez, vous avez le Mzab, là, qui est à peu près à 600 km au sud d'Alger. Et en fait, à l'origine de ce projet, ce qui explique que je sois arrivé sur ce sujet pointu, c'est à l'origine que tout ça commence dans une bibliothèque. Ça tombe assez bien. C'est-à-dire qu'en 2007, en septembre 2007, je suis parti à Alger comme volontaire, comme coopérant, dans une bibliothèque universitaire. Et c'est au cours de ce séjour, cette année passée à Alger, que énormément de questions me sont venues à l'esprit. Je venais d'avoir mon agrégation d'histoire. Je ne connaissais pas spécialement bien l'Algérie. Et Alger m'a vraiment m'a tout à fait fasciné. Et j'ai en même temps éprouvé une grande insatisfaction, c'est-à-dire que dans ce que je trouvais dans les bibliothèques, dans les librairies, je ne trouvais pas de réponse aux questions que j'avais, que je nourrissais sur l'histoire culturelle du pays, sur l'évolution de la culture algérienne pendant la période coloniale, de l'islam aussi, de l'islam vécu. Et en février 2008, j'ai été invité en fait au Mzab par un de mes collègues, c'est-à-dire que je travaillais avec beaucoup d'étudiants qui étaient vacataires, et l'un d'eux, alors il était un peu considéré à part, enfin il était un peu mis à part par les autres, puisqu'il faisait partie de cette minorité, donc ibadite et berbérophone du Mzab, et on était devenus assez amis. Il m'a invité dans la région, et j'ai été là aussi tout à fait fasciné. Et j'ai encore une histoire de bibliothèque, grâce à lui, réalisé que dans
dans cette région magnifique, hein, j'y viendrai à l'instant, mais donc dans cet ensemble d'oasis du nord du Sahara, se trouve tout un ensemble de bibliothèques qui témoignent d'une culture lettrée très ancienne, très riche. Et donc, en un mot, j'ai été tout à fait fasciné, et puis j'ai tout de suite saisi qu'il y avait là des sources. Et du coup, l'idée m'est venue en fait, d'essayer de répondre aux questions que je m'étais posées à Alger à partir des sources que je trouvais dans cette région si intrigante, si intéressante. Et donc j'ai choisi, alors je donne en quelques minutes quelque chose qui s'est déroulé sur plusieurs mois, hein, mais j'ai choisi de prendre cette région comme observatoire des transformations sociales, culturelles qu'avait connue l'Algérie pendant la période coloniale, c'est-à-dire, donc, petit rappel, hein, la France... Enfin, la conquête d'Alger commence en 1830 et l'Algérie est indépendante en 1962. Donc voilà, c'est essentiellement cette période-là qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours. Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Je profite de ces premières minutes passées pour donner des éléments de contexte, puisque là, on est bien passé de l'abstraction d'un lieu de recherche à la réalité du terrain, pour aussi donner quelques éléments de précision sur le contexte dans lequel nous parlons tout de suite. Nous sommes... seul devant un amphi de 200 places dans lequel seule une collègue nous permet d'avoir la sensation que nous ne sommes pas seuls, mais en fait je me rends compte au même moment qu'en fait une quarantaine de personnes nous écoutent sur YouTube. Donc à vous 40 qui nous écoutez, je précise que cette abstraction de cette conférence confinée est en quelque sorte corrigée par l'outil de chat dont vous disposez sur YouTube, et n'hésitez pas en fait à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence, et disons, je me ferai le messager de vos interrogations et de vos questions pour les poser à Augustin Jomier, et qui permettra ainsi de garder un semblant de communication directe et d'interaction au cours de cette rencontre d'un genre, disons, inédit, au moins pour nous. Alors, merci déjà pour cette première perspective d'approche, mais si je comprends bien, la découverte du terrain est venue après des questions auxquelles vous cherchez à répondre, et si je vous ai bien lu et je vous ai bien entendu, ces questions, c'est en fait un constat d'ordre historiographique sur l'état de la recherche, l'état de la connaissance en Algérie, et sur l'histoire de l'Algérie, et sur les types de problèmes et donc les types de sources à mobiliser pour écrire une histoire nouvelle, inédite, de l'Algérie à l'époque coloniale. Oui, alors bon, j'en avais pas forcément conscience en commençant, c'est un long processus. Hein. Ce livre est tiré de ma thèse, soutenue en 2015, qui a ensuite été en grande partie réécrite, donc tout ça est... Voilà, c'est tout ça à macérer. Mais en effet, hein, alors en fait, ce livre s'inscrit est à la jonction de deux grandes questions, de grands champs historiographiques. Un premier qui, en effet, est celui de l'histoire coloniale de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie à la période coloniale et plus largement des sociétés coloniales. Et un autre, mais dont on pourra parler ensuite, puisque ce n'est pas directement lié à cette question des sources, qui est la question du réformisme musulman, qui est une des grandes questions de l'histoire contemporaine de l'islam. Alors en effet, hein, l'histoire de l'Algérie à la période coloniale connaît un très fort renouveau. Hein, nous sommes de nombreux collègues de par le monde à l'étudier. Et depuis le début des années 2000, hein, on a un renouveau qui est placé sous le label un peu du renouveau des études impériales, des études coloniales, et qui a vu aussi bien de nombreux travaux travailler en amont, sur l'histoire de l'Algérie coloniale au XIXe siècle, alors qu'au départ, on avait surtout des travaux centrés sur le mouvement national et sur la guerre d'indépendance. D'autres travaux se sont beaucoup développés d'une histoire sociale du politique et d'autres beaucoup sur l'histoire de l'État colonial. Alors, pour ma part, hein, je suis, à travers le constat que j'ai fait sur le terrain au tout début de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'il était relayé en fait, par un certain nombre de critiques qui sont portées contre la façon dont, en général, on écrit l'histoire de l'Algérie coloniale, en critiquant le fait que les sources coloniales, les sources produites par les acteurs européens et par l'administration coloniale sont en général centrales, et surtout, plus que les sources, les questionnements
que ces sources conduisent à porter sont centraux. C'est-à-dire qu'on peine à sortir d'un face-à-face franco-algérien, que l'on peine à comprendre la façon dont les Algériens ont traversé le moment colonial, la question de leur agency, comme on dit, c'est-à-dire de leur marge de manœuvre face à la domination coloniale, est une question centrale pour tous, mais il semblait qu'on pouvait mobiliser de nouveaux types de sources pour essayer de répondre à ces questions. Et du coup, la proposition que j'ai formulée, et encore une fois, nous sommes plusieurs à essayer de trouver des réponses. Alors, la mienne, ça a été de proposer de lire la situation coloniale, cette situation de domination, à partir de... Alors, j'ai formulé ça dans mon livre, enfin, j'ai repris une formule de Jacques Berck, hein, à partir de l'intérieur du Maghreb, donc à partir de l'intérieur du pays, c'est-à-dire à partir du sud, de territoires assez peu connus, peu travaillés, parce que ce sont des territoires dans lesquels il y avait, en fait, extrêmement peu d'Européens, et à partir de ce que j'appelle de sources islamiques. Des sources islamiques, c'est-à-dire des sources produites par les acteurs du champ religieux, donc principalement des savants musulmans, ce qu'on appelle en la version francisée, c'est ouléma, hein, les ulama, les spécialistes du savoir religieux. Et voilà, essayer donc de dépasser ces apories, de répondre aux critiques grâce à ces sources, puisqu'elles permettent, à travers ces sources, on voit comment les Algériens ont mobilisé les ressources de ce qu'on pourrait appeler rapidement la tradition islamique comme outil pour appréhender les changements qui leur arrivaient, comme façon de les penser, comme façon de réagir. Et cela permet, alors j'utilise aussi des sources coloniales, hein, j'utilise les deux, j'ai encore plus à peu près moitié de sources européennes, moitié de sources arabes, cela permet de dépasser la focalisation sur les sources coloniales, en fait elles se complètent vraiment très très bien, et ça permet, alors peut-être je peux donner rapidement quelques résultats dans ce sens, hein, ça permet de montrer comment, justement dans ce contexte colonial, cette communauté ibadite, berbère, d'Umzab, alors communauté que les Français ont appelée très vite mozabite, comment elle s'est construite. Alors, c'est une construction, je montre, hein, qui est politique, juridique, religieuse, économique. Cela permet aussi de montrer les espaces de projection, de circulation multiple de ces acteurs algériens pendant la période coloniale, c'est-à-dire que ça permet de dépasser les frontières qui sont devenues les frontières nationales algériennes et le face-à-face avec la France pour les voir circuler, en fait, dans un espace... Moyen-Oriental, beaucoup plus large. Hein, Oui, ça c'est peut-être un élément à préciser pour le fait que la communauté ibadite est une communauté transnationale. Tout à fait, oui. Alors, cette image le montre. Hein. Vous avez là en gras les principaux points, les principaux centres d'implantation ibadite dans le monde. Hein. Donc c'est moins d'1% des musulmans, mais vous avez des ibadites donc à Oman, dans le sud-ouest est de la péninsule arabique, dans le Jebel Nefoussa au sud-ouest de Tripoli, dans l'île de Djerba au sud de la Tunisie, et donc dans le Mzab, dans le sud algérien, ainsi qu'à Zanzibar, dans l'est de l'Afrique, mais qui est hors champ ici. Donc, des échelles, des espaces de projection multiples, et aussi une question qui m'intéressait énormément et qui là aussi répondait à des propositions, enfin qui va dans le sens de propositions formulées par des collègues, c'est la question des multiples temporalités dans lesquelles les Algériens ont vécu, c'est-à-dire le moment colonial, c'est-à-dire le comment l'expliquer simplement, essayer de penser le changement de leur rapport à l'histoire, la façon dont des ressources des institutions héritées de périodes antérieures, des ressources mémorielles, ont pu leur servir à se repérer. Alors, en fait, très concrètement, ça peut être tout simplement, au Mzab, vous aviez un ensemble d'institutions locales, religieuses ou non, hein, donc chacune des villes du Mzab, hein, donc le Mzab est composé de... Donc c'est une grande vallée sèche dans le désert,
Voilà, là vous avez un exemple, une grande vallée sèche avec sept qsour, donc sept villes fortifiées, des bourgs fortifiés. Là vous avez celui de Benizgan, et qui sont autour desquels on trouve aussi des oasis, comme sur cette photographie. Et en fait, dans chacun de ces qsour, les institutions héritées de la période médiévale et moderne, ce sont donc un cercle de savants musulmans, d'ouléma, et un cercle de notables qui dirigeaient la vie de ces communautés. Et en fait, ces institutions ont perduré pendant la période coloniale. Et donc, un des enjeux, c'était d'essayer de comprendre. Donc là, vous avez la vallée avec les cinq des qsour, les deux autres sont plus loin. Donc, l'enjeu, hein, c'était de comprendre comment ces institutions ont perduré, ont été en fait réinterprétées pour justement, et ont servi dans la construction de cette communauté en contexte colonial. Voilà, donc pour un exemple de ces temporalités, enfin de ces institutions qui datent de périodes bien antérieures, mais qui et dont l'évolution permet de mieux comprendre les évolutions de la société algérienne. Est-ce que je dis un mot du deuxième grand champ dans lequel intervient mon livre, ou ce sera trop ? Non. Je pense que ce sera utile. Donc là, à travers ce cas d'étude, hein, il s'agit donc, comme je viens de l'expliquer, de proposer d'écrire différemment ou d'une façon nouvelle l'histoire de l'Algérie à période coloniale à partir de sources locales et aussi d'un cas tout à fait très local, même s'il est aussi transnational. Et il s'agit aussi de reprendre à nouveau frais une des questions majeures, si ce n'est la question majeure de l'histoire contemporaine de l'islam, qui est celle du réformisme musulman. En fait, cette formule de réformisme musulman, elle est apparue dans l'islamologie de langue française dans les années 1930. Et depuis, entre l'islamologie, l'histoire, la science politique, elle n'a cessé d'être débattue. Alors c'est un peu un serpent de mer, je ne vais pas vous résumer tous les débats. Simplement, en gros, on part d'une situation où les islamologues des années 30 et bon, voilà, nos ancêtres islamologues ont pensé, en fait, en étant très tributaires des discours des oulémas sunnites de l'époque, le réformisme comme un fait structurant de l'islam qui remonterait à son prophète Mohammed et qui aurait été réactivé régulièrement par la communauté dans l'idée de faire en sorte que la foi et les pratiques des musulmans reviennent à leur pureté supposée originelle. Alors, pour ma part, je participe à une réflexion davantage sur les liens entre l'émergence du réformisme, que du coup je vois vraiment comme un phénomène très contemporain, même s'il est ancré dans des façons de penser le changement en islam bien plus anciennes. Donc une réflexion sur les liens entre l'émergence du réformisme et le contexte colonial, ce qui fait la jonction évidemment des deux grandes questions. Ma contribution, alors je passe rapidement sur tous les débats, hein, contribue en fait d'une part à sortir le réformisme de l'islam sunnite. Alors on sait qu'il y a eu aussi un réformisme chiite hein, depuis quelques décennies, mais sa variante ibadite était encore méconnue. Et surtout, ce que j'essaie d'argumenter dans mon livre, c'est que le réformisme est une conséquence de la déstabilisation du champ religieux, des savoirs et des institutions sur lesquelles était assis le groupe des oulémas dans la région. Déstabilisation alors par la colonisation et l'administration coloniale, mais aussi par d'autres phénomènes propres au XIXe siècle, hein, notamment la révolution des transports et l'apparition de l'imprimerie de langue arabe, quelque chose sur lequel on reviendra, je pense. La deuxième idée que je défends et que j'espère démontrer, c'est que le réformisme est un... Voilà, loin d'être un donné éternel de l'islam, mais ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ce que je montre, c'est qu'il s'agit vraiment d'une co-construction, un phénomène d'interface entre... construit, en fait, dans des échanges entre les lettrés ibadites, des savants orientalistes et des administrateurs, des experts de l'administration coloniale, et qui émergent en fait assez tardivement. En général, on voit le réformisme comme quelque chose des années 1870-80. Et là, dans le cas de l'ibadisme omzab, le mot réforme, qui est islah, devient vraiment un slogan central seulement dans les années 1930. Et si on va plus précisément, et ça donnera, je pense, une idée précise de ce que je veux dire, en fait, le terme...
apparaît en fait par un jeu de traduction. Enfin, il devient central par un jeu de traduction, c'est-à-dire que au moment du Front populaire, qui porte d'énormes projets de réforme pour l'Algérie, les débats dans la sphère publique en Algérie sont polarisés sur cette question, et les oulémas en fait traduisent réforme par islah, le terme qu'on traduit par réformisme musulman, qui en fait parle aussi de réforme politique. Et c'est ce terme et tout cet engagement réformiste qui en fait leur permet d'entrer dans la sphère publique et de se présenter comme les dirigeants de leur communauté, les dirigeants politiques et les interlocuteurs vis-à-vis des Français. Et donc je montre voilà, comment c'est un discours d'interface. Alors là, c'est un peu grossier, mais dans le livre, c'est évidemment beaucoup plus précis. C'est grossier, mais avec cet exemple, je pense qu'on peut bien donner à comprendre le fait que l'historiographie dans laquelle vous vous inscrivez, c'est une historiographie qui, donc en dépassant ce face-à-face colonial, va s'inscrire. Alors là, je reprends ma casquette de bibliothécaire pour faire la promotion, disons, de deux revues qui font un peu un état de ces chantiers récents. Donc, Les Annales, qui en 2017 ont publié un dossier qui revisite cette histoire de la colonisation en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, en parlant d'histoire enchevêtrée, et un numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine en 2016, dans lequel vous aviez publié, qui parlait d'histoire désenclavée, de désenclaver l'histoire de l'Algérie. Et là, en montrant bien comment le croisement de la logique coloniale et de logique transnationale, que ce soit celle donc, de la dynamique religieuse, de la réforme, ou que ce soit celle de l'ibadisme, permettent à travers l'échelle locale d'aborder de façon beaucoup plus différente des phénomènes beaucoup plus larges que cette simple échelle locale. Donc là, on a un jeu de superposition d'échelles. Et ce qui m'intéresse aussi dans votre démarche, c'est que pour faire ça, vous partez de sources que vous allez chercher dans un cadre extrêmement localisé. Et vous avez un très long développement dans l'introduction de la thèse et aussi du livre sur cette notion de source locale auquel vous donnez la notion de source vernaculaire. Alors j'aimerais bien vous entendre à ce sujet, et ça m'intéresse d'autant plus qu'en fait un établissement comme la BULAC, donc Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations, en voulant être au service des études aréales, donc c'est-à-dire de tout le champ des disciplines qui s'intéressent à des mondes étrangers et à des systèmes, disons, linguistiques et culturels différents, veut le faire en donnant aux chercheurs des outils qui sont de la documentation que nous-mêmes nous appelons vernaculaire. Alors, ce concept de vernaculaire, il est anthropologique, il est linguistique. Chez nous, il prend une forme, en fait, qui est relativement simple. Documentation vernaculaire, c'est une documentation qui a été publiée sur le terrain d'étude. Donc, pour nous, c'est une documentation qui a été publiée hors de l'Europe occidentale ou hors de l'Amérique occidentale. Longtemps, dans le fonctionnement des études orientalistes ou de la Bibliothèque des langues orientales ou de la BULAC jusqu'à encore récemment, on s'attachait beaucoup aux langues dans lesquelles les documents étaient publiés et donc étaient conçus comme documentation orientaliste ou documentation vernaculaire, des documentations en langue non occidentale. L'état de l'édition, puis aussi des réflexions et des échanges que nous avons avec les chercheurs, nous a amené à élargir ce concept pour beaucoup plus penser à ce qui se publie et ce qui circule dans la communauté donnée, quelle que soit la langue. Donc c'est sûr que dans un terrain comme l'Afrique, par exemple, l'anglais, le français, voire le portugais ou l'espagnol, selon les histoires coloniales et les histoires modernes, peuvent être porteurs de visions du monde, de publications et de savoirs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec une vision européenne du monde. Et donc cette vision vernaculaire, elle est très ancrée pour nous dans la documentation issue d'un terrain. Et là, j'ai l'impression que c'est une logique très proche que vous avez, vous, dans votre démarche d'identification de la source vernaculaire, pour ne pas l'appeler autrement, et que vous confrontez aux sources coloniales. Merci de cette question. C'est vraiment tout à fait intéressant. En effet, je dirais que moi j'ai parlé de sources vernaculaires par opposition aux sources coloniales, mais dans mon cas, les sources coloniales peuvent être tout à fait produites sur place aussi, c'est-à-dire que les administrateurs coloniaux étaient sur place. Donc la distinction n'est pas exactement la même, et du coup, je suis davantage parti de la question de la langue. Donc voilà, ces sources vernaculaires, ces sources locales, ce sont plutôt des sources en arabe, et ou bien du producteur. Essayer de savoir qui
voilà, qui a produit ces sources, et si ce sont des Algériens, alors en l'occurrence des personnes, des membres de la communauté mozabite. Là, je parlais de sources vernaculaires. Cela dit, la limite entre les deux n'est pas du tout nette et figée, oui, une bonne fois pour toutes, puisque tout à l'heure, ouais. Oui, mais alors c'est ça, c'est-à-dire que d'une part, elle n'est pas nette et figée parce que des membres de la communauté étaient investis dans l'administration coloniale. Vous aviez toute une série d'auxiliaires, ce qu'on appelait à l'époque des auxiliaires indigènes, les caddis, les caïds, qui produisent de la documentation administrative, des sources coloniales, mais qui sont originaires de la région et qui écrivent souvent en arabe, d'ailleurs, ces sources. Donc on a des sources coloniales en arabe. Et l'autre point, c'est que on ne peut pas non plus fétichiser les sources en arabe comme étant l'indice d'un pur discours local, puisque pas mal de ces sources sont aussi coproduites, c'est-à-dire que pour donner un exemple très clair, très très simple, hein, on peut avoir des manuscrits qui sont écrits à la demande d'administrateurs ou de savants orientalistes qui essayent de se renseigner sur la région. Et puis, il y a aussi évidemment la question à mesure que la période coloniale avance, hein, de la formation. Et alors, pour un certain nombre de lettrés de la région qui étaient scolarisés aussi en français dans des écoles françaises, alors ils étaient peu nombreux, mais ils existent malgré tout. Évidemment, là aussi, on ne peut pas. Ce sont des sources locales, mais en même temps, elles ne sont pas forcément... Non, mais il semble que ça plaide pour cet élargissement de la notion de source vernaculaire au-delà de la seule source en langue originale, disons, et qu'on est vraiment dans une logique de creuset, de logique d'hybridité, géographique, de territoire, d'hybridité. D'hybridité, et que du coup, la proposition faite par Romain Bertrand au début de la décennie précédente, avec l'histoire à parts égales, hein, qui était un ouvrage sur le... L'arrivée des Européens en Indonésie, disons, oui, dans l'archipel indonésien, en mobilisant des sources javanaises. C'est ça. Et aussi en inscrivant, disons, cet événement dans un récit historique, qui est le récit historique javanais, du point de vue de l'histoire et des grandes scansions de la périodisation européenne. Et du coup, Romain Bertrand, j'espère ne pas trahir sa pensée, mais voilà, prenez donc un corpus de sources javanaises comme étant l'indice de la vision que les Javanais ont eue de cet événement. Et évidemment, dans le cas du Mzab, c'est différent, puisque les populations d'Algérie connaissaient depuis longtemps les Européens avec lesquels elles échangeaient. Et puis, surtout, comme je viens de le dire, hein, les sources de langue locale peuvent être tout à fait mêlées à l'appareil de l'administration coloniale. Enfin, voilà, on n'a pas de... Ce n'est pas du tout l'indice de monde étanche l'un à l'autre dans mon cas. Alors du coup, cette discussion sur les sources nous amène, je pense, peut-être dans une abstraction qu'on peut corriger par sans doute une description de à quoi ressemblent les lieux de conservation de ces sources. Disons, comment vous avez été mis en contact avec ces sources dans la vallée du Mzab, puisque vous consacrez même en fait un chapitre entier à ce fonctionnement de ces bibliothèques qui s'inscrivent dans un système communautaire local très particulier. Est-ce qu'avant, ce ne serait pas bien que je raconte rapidement de quoi parle le livre ? Si, bien sûr. Je pense, parce que là aussi, ça permettra de descendre de l'abstraction. En fait, ce livre donc, commence en 1882, puisque c'est le moment où la région est placée sous administration coloniale directe. Les Français étaient déjà présents... à travers un protectorat, enfin une sorte de protectorat depuis quelques décennies, mais donc 1882, l'administration coloniale, l'armée en fait, entre dans la région, et donc je travaille, en fait, je suis, on va dire, le parcours de trois générations d'ouléma, hein, de savants musulmans, de ce moment-là jusqu'à l'indépendance, et même un petit peu au-delà de l'indépendance. L'ouvrage, en fait, esquisse d'abord le fonctionnement des institutions locales avant la période coloniale et la façon dont le champ religieux et politique local a été déstabilisé par l'arrivée des Européens. Puis, en fait, on a vraiment le cœur du livre et sur la période de l'entre-deux-guerres, où je montre comment émergent, alors c'est
un chapitre d'histoire intellectuelle, puis un chapitre d'histoire plutôt sociale et culturelle, où je montre les modalités d'émergence du slogan réformiste et d'une nouvelle figure d'ouléma, c'est-à-dire que les savants musulmans réformistes de l'entre-deux-guerres sont vraiment d'un style extrêmement différent et sont dans une rupture culturelle très forte avec leurs prédécesseurs. Donc c'est ce que je montre voilà, dans les chapitres 2 et 3. Avant d'envisager de façon assez précise les divisions que ces évolutions provoquent dans la société locale et à travers ces divisions donc entre ceux qui se sont voulus des réformistes et ceux qui se sont voulus des conservateurs, hein, ce sont les... Alors c'est en arabe, mais c'est la traduction des étiquettes locales que se sont données ces acteurs. À travers l'analyse de ces divisions, je montre voilà, comment se construit une communauté nouvelle, un nouveau leadership politique, des nouvelles identifications. Donc ça, c'est dans le chapitre 4 et le chapitre 5 qui envisage ces questions-là non plus à travers les divisions de la communauté, mais à travers les relations de la communauté avec la majorité sunnite et leur renégociation. Le chapitre 6 approfondit ces questions à travers les évolutions, en fait, ces deux questions des chapitres précédents, à travers la question des pratiques cultuelles. J'essaye de voir comment cette réforme a transformé profondément les pratiques rituelles, la religion ordinaire, disons, des ibadites du Mzab. Et ensuite, le livre repart un peu dans les années 40, 50, 60, pour les trois derniers chapitres, où là, j'envisage à la fois sur un plan d'histoire économique et politique, la façon dont les oulémas réformistes qui avaient émergé donc dans des échanges entre le Mzab, le Caire et Tunis et Alger dans les années 1920-1930, la façon dont ils parviennent à prendre le leadership sur les institutions religieuses et politiques locales, notamment grâce à l'aide de toute une diaspora commerçante d'origine mozabite qui s'est développée à la faveur du développement du capitalisme colonial. Et donc, je montre la façon dont ils investissent les institutions politiques vernaculaires et coloniales et dont ils parviennent à les dominer, et ce, jusqu'au milieu des années 60, même par-delà l'indépendance du pays. Voilà donc un peu pour l'histoire, rapidement, de ce que raconte ce livre. J'espère que c'était clair. Non, mais du coup, on a bien vu l'étoffe d'histoire sociale, en fait, hein, que prend cette étude, au-delà des questions, on va dire, d'ordre plus culturel ou intellectuel qui ont pu modifier. Alors, j'ai vraiment essayé de ne pas dissocier l'histoire intellectuelle, l'histoire sociale et l'histoire économique. Les ressorts sociaux et économiques étant vraiment indispensables pour comprendre ces évolutions intellectuelles et religieuses, les évolutions intellectuelles et religieuses à l'œuvre dans la période. Et du coup, à travers ces questions sociales, culturelles, c'est beaucoup la matérialité des sources, en effet. Là, je reviens à la question que vous me posiez. Oui, du coup, on va ressortir donc, de cette bibliothèque universitaire abstraite qui vous avait fait quitter Alger, oui, pour arriver donc, du coup, à ces bibliothèques, on va dire ces bibliothèques, j'allais dire réelles, mais ces bibliothèques comme lieu agi socialement au Mzab, et donc qui vous ont donné à la fois une occasion d'observation de cet objet d'étude, de cette société, mais aussi accès très concrètement aux documents, aux sources qui ont permis de faire une analyse historique du phénomène. Oui, tout à fait. Alors, c'est des bibliothèques et aussi tout un ensemble de gens que j'ai appris à connaître sur place, notamment grâce à ces bibliothèques, d'ailleurs. J'y reviendrai. En fait, ce qui est tout à fait intéressant, et j'ai mis du temps à le comprendre en faisant mon travail, c'est que j'avais face à moi, pour la documentation coloniale, disons de langue française, j'avais quelque chose d'assez cohérent et pas très compliqué à appréhender dans ces conditions de production. Pour les sources arabes, en fait, j'avais une gamme de sources extrêmement variée, c'est-à-dire à la fois des formats, des types de sources, des rationalités extrêmement, des genres extrêmement différents, et tout ça m'a longtemps paru éparpillé. En réalité, en fait, ce qui est derrière cela, c'est que la période sur laquelle je travaille, de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, est une période de transformation profonde de la culture lettrée, de la culture des bibliothèques. Et du coup, en fait, c'est ça
que j'avais sous les yeux, hein, matériellement, à travers ces documents, ces textes, ces livres. C'est une culture qui se transforme totalement, et en fait, le réformisme est le nom de cette transformation. Alors, en effet, donc, j'ai, par exemple, dans mon corpus, des sources manuscrites qui sont, en fait, les dépositaires, les traces d'une culture très ancienne dans la région. Alors, au Mzab, une culture lettrée s'est développée, qui a conduit à la fondation, en fait, d'énormément de petites bibliothèques. Alors, c'est souvent... Voilà, une pièce, deux pièces. À l'origine, c'est même ce qu'on appelle une khizana, une armoire. Et donc, dans des lieux de vie privés, quoi, c'est des bibliothèques domestiques ou il s'agit de bibliothèques qui sont dans des lieux publics, religieux, communautaires? Alors, les deux. C'est-à-dire que, en fait, l'association Abu Ishaq Tfayesh, qui est donc une association de préservation du patrimoine ibadite, évalue environ le nombre de bibliothèques dans la région à une quarantaine, qui conserveraient à peu près 13 000 manuscrits. Donc ça, c'est les chiffres aujourd'hui. Ces bibliothèques les plus anciennes, elles remontent, a priori, hein, la plus ancienne trace qu'on a, c'est du XVIe siècle. Donc ce sont pour beaucoup soit des bibliothèques de mosquées, soit des bibliothèques de clans tribaux, hein, ce qu'on appelle la Ashira, donc une fraction tribale, un ensemble de familles qui se réclament d'un ancêtre commun, soit des bibliothèques individuelles, qui deviennent souvent des bibliothèques familiales, qui sont en fait les bibliothèques de shir, donc de savants musulmans, qui, à leur mort en général, ont institué leur bibliothèque en habbous. Alors c'est le mot maghrébin pour le waqf oriental, c'est-à-dire ils en font un bien de main morte, une bibliothèque qui n'est ni divisible ni cessible, et qui en général est adossée aussi à un capital qui permet l'entretien de cette bibliothèque. Donc évidemment, hein, ces structures ont connu en fait des transformations assez profondes, et moi concrètement j'ai surtout travaillé dans des bibliothèques d'associations qui prennent en charge la préservation, l'inventaire, la numérisation même parfois de ce patrimoine. Donc j'en ai cité une, mais voilà, en fait il y en avait trois principales grâce auxquelles j'ai pu travailler, et aussi grâce aux bibliothécaires, aux directeurs de ces institutions. Et c'est des lieux qui sont largement ouverts comme ça à l'accès de quelqu'un arrivant avec une démarche académique, ou ce sont des entrées, des accès qui se négocient par un travail de terrain, de connexion, de relation? Bon, évidemment, il y a un travail de relation à établir, mais non, globalement, j'ai été extrêmement bien accueilli dans l'immense majorité des cas par des gens soucieux, en fait, qui valorisent le travail académique, le travail intellectuel, soucieux de faire connaître l'existence de la communauté et de sa tradition lettrée hors des frontières de l'Algérie. Et des gens, en fait, il y a tout un réseau, hein, qui n'est pas très grand, mais qui est quand même dense, qui est bien soudé, hein, de Ibadi Studies, d'études ibadites, qui est animé aussi bien par des lettrés du Mzab que par le ministère de la Culture omanais, et puis tout un ensemble de collègues universitaires d'Europe, d'Amérique du Nord, même du Japon. Et du coup, tout ça... Alors... tout n'est pas idéal, mais globalement, on travaille plutôt en bonne entente, et l'accès, en tout cas, au terrain de ces bibliothèques n'est pas difficile. Il faut arriver à entrer en Algérie, avoir un visa, mais une fois qu'on est sur place, on reviendra peut-être plus tard dans la discussion, ou en fonction des questions qui nous sont posées. Je crois qu'on a une petite coupure de la retransmission en direct, mais là nous sommes revenus en ligne, donc que les spectateurs n'hésitent pas à utiliser le chat pour nous interroger si besoin. Donc on reviendra peut-être plus tard sur cette dimension de tradition vivante ou d'exploitation ou de valorisation patrimoniale de cette tradition aujourd'hui. Mais vous aviez commencé à évoquer ces transformations de la culture lettrée en parlant donc d'abord déjà de l'héritage
manuscrits, il y a des sources manuscrites qui sont disponibles. Peut-être c'est un point que vous vouliez développer. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser que j'ai pas mal d'images que je n'ai pas montrées. En fait, la grande figure sur laquelle ouvre mon livre, hein, c'est... alors, j'ai, la diacritique du H n'est pas passée, donc Mohammad At-Fayyash. Donc, c'est la grande figure, le grand chir ibadite du Maghreb de la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est lui, en fait, qui est le personnage clé au moment où les Français arrivent dans la région. Enfin, le personnage clé dans le champ religieux, j'entends. Et en fait, At-Fayyash est intéressant. Alors, j'ai peu travaillé directement sur ses œuvres, mais j'ai travaillé sur la façon dont elles ont circulé, en fait, à l'époque, et la façon dont il s'inscrit ou pas dans les traditions lettrées préexistantes. Et en fait, At-Fayyash poursuit une tradition de glosses, de commentaires, une tradition de polygraphie héritée de la période moderne, très partagée en fait avec l'islam sunnite, hein, l'immense majorité des musulmans du Maghreb. Et vraiment, ces ouvrages participent complètement de cette tradition. Donc ce sont des ouvrages souvent extrêmement longs, qui sont des commentaires d'œuvres écrites par des chirs de générations antérieures, parfois même des commentaires de commentaires, ou bien des abrégés, des commentaires d'abrégés. Enfin, on a vraiment une tradition de la glosse qui est très forte. Ça peut être aussi... C'est pour beaucoup hein, des ouvrages liés au hadith, c'est-à-dire à la science des traditions du prophète, les traditions rapportées sur les faits et les dires du prophète et de ses compagnons, donc il y a une science centrale dans les savoirs islamiques. C'est aussi très lié au fiqh, donc la science juridique en islam. Et en tout cela, alors je vais assez rapidement, hein, mais en tout cela, At-Fayyash est vraiment l'héritier d'une culture qui a émergé vers le 15e, 16e siècle, et qui s'est, même sans doute avant, mais qui s'est développée au Mzab à partir du 15e, 16e siècle. Et en même temps, At-Fayyash introduit aussi quelques ruptures qui sont tout à fait intéressantes et qui vont avoir des conséquences dans la suite de mon histoire. Et ce sont des choses qu'on voit très bien à travers des documents qui sont conservés à la Bulac, justement. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez mis en valeur hein, le fait que j'ai fait du terrain, que les sources sont pour beaucoup à trouver au Mzab, mais il y a en fait aussi des sources du Mzab en France, à la BNF, à la Bulac. Et notamment, alors, du Chir At-Fayyash, il y a deux types de documents dont on peut parler qui sont vraiment intéressants. C'est d'une part un ensemble de manuscrits de fiqh, donc un commentaire de la jurisprudence ibadite que At-Fayyash a écrit. Alors je ne sais pas exactement, je pense qu'il l'a écrit dans les années 1860-70, mais en tout cas, la copie qui est conservée à la Bulac, c'est tout à fait intéressant. C'est une copie en fait, qui a été. C'est tout un ensemble de manuscrits qui ont été copiés à la demande de l'administration coloniale, en fait, pour un professeur de droit de l'Université d'Alger, qui était lui-même aussi. Magistrat, en fait, il était magistrat et chargé de cours à l'école de droit de ce qui allait devenir la faculté, l'université d'Alger, qui s'appelle Zeiss, le président Zeiss. Et en fait, j'ai trouvé dans les archives à Aix, aux archives coloniales, toutes les tractations qui sont derrière ces manuscrits et qui permettent de comprendre comment ils ont été copiés, pour qui, pourquoi, à quel coût aussi d'ailleurs. Et on comprend qu'en fait l'administration a eu besoin de ces manuscrits pour aider les juges français qui en fait cassaient les décisions des tribunaux ibadites en appel. D'accord, donc c'est dans une vraie logique de codification et non pas du tout d'histoire du droit. C'est pour... Alors pas de... Non, pas de non, il y a une logique disons, d'histoire du droit. De mise par écrit d'un droit qui est le droit qui est agi quotidiennement dans des tribunaux sous la tutelle de l'administration coloniale. Alors, il était déjà mis par écrit. Disons, c'est une logique d'expertise, de connaissance qui permet aux juges français de comprendre un peu de quoi ils retournent, oui. Sans codification pour autant, pas comme pour les malékites. Et l'autre logique, c'est aussi une logique d'histoire, puisque le Zeiss a donné des cours sur le droit ibadite à la faculté, à l'école de droit d'Alger dans les années 1890. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière ça, derrière ce,
enfin, voilà, ces manuscrits, il y a toute la une énorme transformation du champ religieux ibadite qui est en jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on a toute la façon dont les Français ont institué une justice ibadite, ont nommé des cadis qui tous étaient les élèves d'Atfayesh, et dont la jurisprudence, c'est-à-dire la vision du droit d'Atfayesh, s'est mise à prévaloir à travers ces tribunaux coloniaux. Ces mahkama, donc les tribunaux de droit musulman coloniaux. Donc, c'est un... j'espère que c'est clair. C'est vraiment le... C'est un peu un de ces enclencheurs qui font que la place des lettrés est bouleversée dans la société et que le slogan de la réforme va être une réponse à ces bouleversements quelques décennies plus tard. Mais aussi le corpus que vous évoquez illustre le fait qu'il y a un vrai intérêt, on va dire, des chercheurs, des savants orientalistes de l'époque pour ces savoirs ibadites, que ce soit du commentaire religieux ou que ce soit du fir, quoi que ce soit, du droit religieux. Et de fait, dans les corpus de manuscrits arabes de la Bulaq, ces documents ibadites sont relativement nombreux. Je veux dire, à toute proportion de la place de l'ibadisme dans l'islam, on a un corpus qui est relativement important à la Bulaq, ibadisme maghrébin surtout en ce qui concerne les manuscrits. Et ce que vous évoquez là, en fait, permet de l'expliquer par le contexte de l'orientalisme colonial qui a donné une curiosité, un intérêt pour la collecte de ces types de documents. Alors j'en profite pour préciser que ces documents ne sont que partiellement accessibles actuellement sur notre bibliothèque numérique Arial, sur la BINA dans laquelle nous mettons nos documents en ligne, ou sur Internet Archive. Nous avons un corpus de manuscrits ibadites maghrébins qui ont été mis en ligne très récemment, au cours des tout derniers mois, qui sont le résultat de manuscrits que nous avons numérisés cet été, qui sont des manuscrits qui avaient été achetés aux descendants du libraire Paul Göttner et de sa femme Warburga Seidel, Frédéric Seidel Göttner, qui avait donc, disons, hérité de la collection de manuscrits de ses parents, et dans lesquels ces manuscrits maghrébins ibadites sont très bien représenté. Donc il y en a plusieurs, notamment il y a un très important manuscrit en berbère, le Kitab al-Barbariyat, aussi appelé al-Mudawana, qui était un document qui est très largement étudié par les berbérologues, surtout pour des questions linguistiques, puisque c'est une copie d'une version très ancienne. Mais donc ces documents de Fir sont importants, mais la partie que l'on voit actuellement sur la Bina, puisque cet arrivage un peu particulier est très minoritaire, très parcellaire par rapport aux collections que nous avons. Donc j'invite tous ceux que ces sources et ces ressources intéressent à aller vers le catalogue des manuscrits en ligne qui se trouve sur Calam, et puis pas hésiter à nous contacter aussi, puisque ce travail de catalogage et de signalement est un travail en cours, et c'est notre collègue Zour Shahaban qui travaille intensivement à la description de ces sources. Alors à côté de ces sources manuscrites, je crois que vous avez aussi trouvé à la Bulaq un autre volet d'illustration qui sont les sources imprimées arabes. Tout à fait, oui. Alors là aussi, hein, donc je vous disais que chez Atfayesh, qui est on l'appelle le Qutb, c'est-à-dire le pôle, donc c'est vraiment un pôle de référence pour les savants ibadites de l'époque, et même encore pendant tout le XXe siècle. Et l'indice de transformation à l'œuvre, donc je vous parlais là du bouleversement du champ, bouleversement institutionnel du champ religieux, mais il y a aussi un bouleversement qui est lié en fait à l'accélération des circulations du fait de la révolution des transports, et aussi à une transformation un peu des autorités religieuses du fait du changement des médias et avec l'apparition de l'imprimerie. Et Atfayesh, en fait, est le premier de ces grands chiours ibadites à être imprimé. Alors, imprimé sous forme de lithographie. L'imprimerie de langue arabe s'est développée progressivement, surtout à partir de l'Égypte dans les années 1820. Elle se répand à partir des années 1860. Elle devient vraiment, disons, un marché rentable et qui se développe dans les années 1860. Et les ibadites franchissent le pas dans les années 70-80. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, enfin les dates exactes, mais en fait, vous avez des premières lithographies ibadites qui se développent au Caire, et aussi à Zanzibar, où le sultan ibadite développe
dans ces années 80-90. Oui, car Zanzibar, qui est une île au large de la Tanzanie actuelle ou du Mozambique, j'ai tout d'un coup douté, est une colonie omanaise de la Tanzanie, donc au large de la Tanzanie, est une colonie omanaise à l'époque. Alors non, justement, elle était une possession omanaise et au milieu du 19e siècle, le sultanat d'Oman se divise en deux avec une branche à Oman et une branche à Zanzibar. D'accord. La branche de Zanzibar, en fait, étant plutôt plus puissante et plus riche, notamment grâce au commerce du clou de girofle. Et donc les sultans en fait d'Oman, de Zanzibar, pardon, ont pris en charge la publication d'un certain nombre des œuvres du Shir Tfayesh, soit sur leur presse de Zanzibar, soit en finançant des entreprises éditoriales au Caire. Et en fait, on trouve tout un... Alors là, à nouveau, c'est intéressant, on a ces documents qui, pour certains, sont à la Bulac, notamment parce que le consul de France à Zanzibar les achetait ou les a reçus en don. Oui, il les avait reçus en don, pardon, et lui-même les a offerts à la bibliothèque des Langzhou à l'époque, donc un des ancêtres de la Bulac. Et donc c'est intéressant, on a ces documents qui sont là, et là aussi, en fait, on peut retracer leur parcours à travers des... pour le coup, des sources coloniales ou bien diplomatiques, donc ces correspondances du consul de Zanzibar, ou bien aussi, j'avais trouvé toute une correspondance très intéressante sur en fait, l'arrestation d'Ibadit algérien et tunisien qui était entré illégalement en Algérie, pardon, pendant la période coloniale. Alors, les déplacements des Algériens étaient extrêmement contrôlés et restreints. Et donc, ils ont été arrêtés pour des déplacements illégaux. Et alors, on voit l'administration est très soupçonneuse de la cargaison qu'ils transportent. Mmh. La rumeur veut que ce soit de la poudre, qu'ils fassent du commerce d'armes. Et en fait, ces gens font du commerce de livres. Et donc, ils sont encore plus dangereux. Encore plus dangereux, voilà. Donc, ils font des commerces, notamment, ils transportent avec eux un certain nombre de livres, et dont des exemplaires d'ouvrages d'At-Fayesh qui ont été imprimés au Caire et qu'ils rapportent au Mzab pour les vendre ou pour les donner, ça je ne sais pas exactement. Et ils rapportent aussi des sommes d'argent pour le Shir Tfayesh. Enfin, il y a tout un ensemble et qui est intéressant parce qu'il montre la façon dont les réseaux de lettrés ibadites qui s'étaient mis en place, ces réseaux de lettrés de lettrés du Mzab qui allaient vers Tunis étudier ou vers le Caire, vers le Hedjaz dans le cadre du pèlerinage à la Mecque et à Médine. Ces réseaux qui avaient des têtes de pont dans toutes ces villes, avec là encore des fondations pieuses qui permettaient d'assurer des relais. Ces réseaux, en fait, sont réutilisés quasiment tels quels pour le commerce du livre imprimé, à la fin du 19e, au début du 20e. Donc ça, c'était un exemple intéressant de ces transformations et qui, en même temps, sont tout à fait tributaires de dispositifs préexistants. Et pour étudier cette histoire-là, on dispose aussi de sources qui sont celles des correspondances entre les acteurs de ce réseau, ou on dispose plutôt de témoignages comme le consul, les sources, les archives coloniales. Non, moi, j'ai utilisé des témoignages. Des correspondances entre les tréibadites de différentes régions, j'en ai pour une période ultérieure, pour l'entre-deux-guerres, mais pas pour cette période-là. Je réfléchis. Alors, je sais que il me semble que la correspondance du Shir Tfayesh est en cours de numérisation au Mzab même. Donc, il y aurait certainement des choses là à retrouver, à découvrir. Oui. Alors, effectivement, ces reflets de cette production lettrée ibadite, et donc notamment d'At-Fayesh à la Bulac, et le rôle d'Oman est un corpus, disons, qui a été identifié il y a quelques temps, notamment grâce au travail d'une de nos anciennes collègues, Olga Adrianova, qui est une grande spécialiste des publications omanaises, qui travaille à l'Institut du monde arabe aujourd'hui. Travail qui a fait l'objet d'une exposition dans les salles de la Bulac, et on retrouve sur le carnet de recherche de la Bulac, le carreau de la Bulac, un échantillon, disons, en images et commentées de ces sources ibadites et de la façon dont elles illustrent ces circulations, ce marché de l'imprimerie qui transnational, donc qui a pu exister de l'Algérie jusqu'à Zanzibar, en passant par Oman. Et peut aussi être intéressant pour noter, disons, ces temporalités très différentes, que c'est dans les années 70 seulement qu'à Oman même, des entreprises éditoriales ont pris le relais
de cette histoire déjà ancienne, et que cette activité de publication du corpus ibadite, hein, de ce corpus de gloses, mais religieux et historique, continue et est très actif. Donc nous avons à la Bulac plusieurs volumes des années 80 des œuvres d'Yves Fayage qui ont été publiées par Aoman à cette époque-là, et l'activité de publication est aussi, disons, de rayonnement et de don continu, hein, parce que pas plus tard qu'il y a 3 ans, l'ambassade d'Oman a offert à la Bulac un corpus très important de publications ibadites, y compris de lettrés maghrébins, qui font toujours l'objet de publications très actives dans le sultanat, où l'ibadisme est le courant majoritaire. Oui, oui, tout à fait. Le ministère des Affaires religieuses d'Oman est très actif, et il emploie beaucoup d'Algériens. C'est-à-dire que beaucoup de... Enfin, ce travail... critique, d'édition critique des manuscrits est beaucoup mené par des gens en fait du Mzab, alors qu'ils sont formés en Algérie, à Oman, ou même peuvent avoir reçu des formations en Europe et qui travaillent ensuite à Oman. Mmh. Alors au Mzab même, il y a aussi tout un travail de mise en valeur et qui là est, de mon point de vue, assez indépendant des initiatives omanaises. Et qui là tournent autour des associations que j'évoquais, hein, qui font un travail très impressionnant de catalogage des bibliothèques locales. C'est des dizaines de catalogues, hein, qui sont faits petit à petit, un travail de numérisation, et qui aussi, là, alors je pense que ça fait déjà... quand j'étais sur le terrain, entre 2009 et 2015, c'était déjà en cours et ça s'est poursuivi. Hein. Ces acteurs du monde du patrimoine, enfin du monde de la culture du Mzab, œuvrent aussi pour sauver le patrimoine ibadite dans l'île de Djerba, avec là aussi catalogage, numérisation, parfois des travaux d'édition. Et alors au Jebel Nefoussa, mais évidemment, là, les conditions politiques en Libye rendent les choses très difficiles. Mais oui, c'est de mon point de vue très impressionnant. Et en même temps, il ne faut pas non plus surspécifier les ibadites, c'est-à-dire que cette culture lettrée du Mzab, en fait, elle est très comparable à la culture lettrée d'autres implantations sédentaires du Sahara. C'est-à-dire qu'on a des cultures lettrées comparables autour des Aouïas, donc des loges soufis, si vous voulez, ou bien autour des familles de savants musulmans, dans la région du Touat, donc un peu plus au sud, dans la région dans l'Ouadrir, enfin dans d'autres vallées en fait du Sahara, c'est quelque chose de très présent. Alors avec peut-être un travail de mise en valeur un peu moins poussé. Mais en même temps, les témoignages, disons, de cette culture imprimée qu'on a à la Bulac sont, à cause de l'origine de ces collections, sont plutôt des œuvres assez monumentales, que ce soit les imprimés de Zanzibar, qui sont vraiment clairement des imprimés de luxe, ou même les imprimés de Boulak du Caire. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'imprimé plus populaire, de plus large circulation qu'on rencontre dans le Mzab, à côté de ces grandes entreprises-là, disons, hors région mozabite? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant comme question. C'est vrai que pour ces publications du 19e siècle, donc pour ces imprimés anciens, on appelle ça des imprimés anciens pour l'arabe, ce qui est le plus visible, ce sont vraiment des monuments éditoriaux. Chez Tfayesh, hein, c'est très facilement 10 volumes, des grosses entreprises, et c'est pour ça que le financement d'Oman était nécessaire. Mais en fait, il y avait aussi... Et même à Zanzibar, ils ne sont pas toujours arrivés jusqu'au bout de leur projet, donc c'est dire que c'était coûteux. Oui. Oui, je voulais dire financement de Zanzibar, pas d'Oman. Mais en fait, vous aviez aussi tout un tas de petits imprimés, des lithographies, justement, de beaucoup plus faible qualité, imprimées plus rapidement, plus petites, plus courtes, sur des papiers de mauvaise qualité, donc ils ne nous sont pas toujours parvenus. Mais alors moi, j'en ai trouvé quelques exemples vraiment intéressants grâce au dépôt légal, en fait. C'est-à-dire que le dépôt légal a fonctionné de façon un peu erratique en Algérie à la période coloniale, mais quand même, il y a quelques pépites qui m'ont été fort utiles, alors notamment, justement, des œuvres de piété, en fait. C'était de la piété un peu populaire, consultable à la BNF aujourd'hui.
et qui sont à la BNF, oui, au dépôt légal à la BNF. Aujourd'hui, il y en a, moi, j'en avais repéré 3, et pour lesquels il y avait écrit même, dans la troisième de couverture, le nombre d'exemplaires qui avaient été tirés. Donc c'était un témoignage tout à fait intéressant d'une, disons, d'un usage de l'imprimé beaucoup plus populaire, sans doute beaucoup plus répandu, et probablement un marché beaucoup plus rentable aussi. Alors ensuite, évidemment, cette... Et pardon, c'était du coup des publications qui étaient imprimées dans le MZAB même ou qui étaient publiées à Alger? Non, à Alger. D'accord. C'était elles étaient des lithos qui étaient faites sur des lithographies appartenant à des Européens. D'accord. À Alger. J'ai plus en tête exactement le nom de la lithographie, mais c'était des lithos bon marché faites par des enfin sur des presses d'Européens et pour un marché local. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de voir que cet investissement des lettrés du MZAB, donc qui avant étaient les experts de la calligraphie, hein, pour beaucoup, leur gagne-pain, c'était d'écrire. Alors c'était de réciter des prières pour les gens, de lire le Coran, mais c'était aussi de pouvoir écrire pour eux. Et ils se sont investis dans l'imprimerie à partir du moment où ce média est apparu. Ce médium, pardon, dans l'entre-deux-guerres, on voit ces techniques de l'imprimerie aussi évoluer, avec notamment l'apparition de la... Alors, j'avais d'autres photos, là, c'est l'enterrement de Tveyesh, enfin, l'enterrement. C'est après son enterrement, une photo de groupe autour de sa tombe. La tombe est hors champ. Et donc, on voit là, en fait, tous les grands bonnets du MZAB réunis autour de l'administrateur français qui montre la centralité de ce Shir Tveyesh. Voilà, je voulais vous parler de Abou Ishaq Tveyesh et de Abou Yaqzan, qui sont deux des lettrés donc de la génération suivante, hein, de ceux qui émergent et qui sont les porteurs de ce slogan réformiste dans l'entre-deux-guerres, et qui sont en fait... Alors Abou Yaqzan, il est imprimeur, journaliste et poète aussi, et pédagogue. Et Abou Ishaq est lui journaliste, entrepreneur de presse. Alors il n'a pas eu sa propre imprimerie. Et ensuite il est devenu bibliothécaire. Il a même été bibliothécaire. Il était en exil au Caire en fait. Et là il a travaillé en fait à la Dar el Koutoub, donc la Bibliothèque nationale égyptienne. Et il a aussi travaillé à l'édition de manuscrits ibadites dans les années 30-40. Et travers eux, alors j'ai juste, j'avais. Où est-ce que j'ai ça ? Voilà, un exemple de journaux qui sont publiés comme ça dans l'entre-deux-guerres à Alger par Abou Yaqzan. Alors, ce sont des journaux publiés à Alger, mais ce sont des journaux qui ciblent la population du MZAB, ce sont des journaux qui ciblent la communauté ibadite, ou ce sont des titres beaucoup plus généralistes ? Alors, c'est des journaux qui sont principalement centrés. Là, on en a deux, hein, donc à droite, El Oumma, et à gauche, le Wedi Mezab, qui sont pour l'un publié, donc le Wedi Mezab dans les années 20 et l'autre dans les années 30. Et il cible principalement la communauté mozabite, alors au MZAB même et surtout en fait la diaspora commerçante dans le nord du pays et en Tunisie. Et au-delà, alors ils essayent, mais moi j'ai... Alors évidemment la question de la réception est toujours plus compliquée, hein, pour l'historien. Alors on voit en fait quand on épluche ces périodiques qu'il y a des tarifs. On voit des tarifs pour la Tunisie, on voit des tarifs pour l'Égypte. On voit des relais qui sont proposés, donc il y a des points de vente auprès en fait de commerçants ibadites dans différentes villes du monde arabe. Alors après, je ne sais pas si des gens ont utilisé vraiment ces relais. Et on voit aussi que en épluchant ces journaux, il est très net que notamment Abou Yaqzan et Abou Ishaq aussi essayaient de parler pour un public plus large que les seuls ibadites, de dialoguer avec d'autres journalistes, d'autres figures d'intellectuels du monde arabe. Et là aussi, en fait, je ne sais pas s'ils ont toujours réussi à vraiment s'insérer dans un champ intellectuel transnational. Enfin, il y a des moments où ça marche et d'autres où ça ne fonctionne pas. D'accord, mais en même temps, si je vous entends bien, ce ne sont pas des journaux qui s'adressent seulement à une élite diasporique, disons une élite commerçante de la diaspora, mais bien aussi à la population du MZAB elle-même. Oui, oui, tout à fait. Et là, pour le coup, grâce aux archives de surveillance coloniale, on a des traces de la réception. Et on voit bien que ces journaux, par exemple, étaient lus dans les boutiques. Un commerçant du
Homsab même recevait le journal et le lisait pour les gens qui étaient autour, ou bien ces journaux étaient aussi diffusés via les écoles que ces réformistes ont fondées. En fait, ce mouvement de réforme est beaucoup un mouvement de réforme des institutions éducatives. Et donc, dans chacune des villes du Homsab, des écoles rénovées, réformées ont été fondées, et dans les bibliothèques desquelles ces journaux arrivaient. Et donc et on a une population qui a une alphabétisation qui est plus développée, moins développée que le reste de la population arabophone ou berbérophone de l'Algérie à cette époque. Est-ce qu'il y a une particularité ibadite ou mozabite du point de vue de l'alphabétisation ? Alors, je ne suis pas parvenu à chiffrer les choses, à quantifier nettement, mais ce que disent les observateurs de l'époque, les observateurs européens, aussi bien concernant d'ailleurs les femmes que les hommes, c'est que la proportion de lettrés était plus importante au Homsab que dans d'autres régions du pays. Alors, à mon avis, de lettrés en arabe, en langue arabe. C'est une question sur laquelle il faudrait enquêter peut-être plus systématiquement. Je pense que c'est lié au fait notamment que les structures éducatives, scolaires, religieuses, disons, du Homsab n'ont pas été détruites au moment de la conquête française, comme dans le nord du pays, où tout ce type de structure a été extrêmement détruit par divers processus liés à la conquête coloniale. Donc j'imagine que quand on observe en 1900, 1920, 1930 qu'il y a une proportion de lettrés en arabe un peu plus importante au Homsab qu'ailleurs, c'est en fait parce que au début du XXe siècle, c'est le reflet, à mon avis, d'une situation qui était générale ailleurs, au Maghreb, au début du XIXe, donc avec peut-être 10% d'hommes lettrés, par exemple, quelque chose comme ça, et je suis tout à fait imprécis. Et par contre, pour les années 30-40, là, cette proportion de lettrés importante, elle est le reflet d'un investissement énorme de la communauté dans des institutions d'éducation, quasiment de masse, en fait, à travers le mouvement réformiste. Alors, c'est vrai que c'est aussi un aspect, quand vous avez dit que vous aviez choisi un terrain qui était l'intérieur du Maghreb, sur lequel qu'on n'a pas développé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi une région où il n'y a pas de colonisation de peuplement européenne. Donc on est dans une situation coloniale, mais une situation coloniale où la présence européenne est beaucoup plus distante, disons, et beaucoup plus que dans le nord de l'Algérie. Peut-être pour revenir à une carte, pour que les choses soient claires. Donc, vous voyez sur cette carte le fonctionnement administratif, grosso modo, de l'Algérie, en tout cas des territoires du Sud, pendant la première moitié du XXe siècle. Donc, en fait, tous les grands... Le territoire des Oasis, c'est pas la peine que je me retourne, d'Ain Sefra, et le territoire de Gardaïa sont des territoires militaires, et ce sont des zones dans lesquelles il n'y a quasiment pas... il n'y a pas de colonisation de peuplement, pas d'implantation d'Européens. Vous avez des administrateurs, des missionnaires, mais pas grand monde par ailleurs, alors que dans le nord, et notamment dans les zones côtières, qui sont des départements français, qui sont sous administration civile, qui sont un prolongement virtuel de la métropole, là, vous avez une colonisation de peuplement très forte, avec, du coup, aussi un démantèlement, enfin, une appropriation des terres et, du coup, un démantèlement des structures foncières, sociales, extrêmement fort. Et pour revenir à cette presse, à ces journaux, ils sont arabophones. Et ces journaux sont arabophones, oui, ils ne sont pas bilingues, ils sont exclusivement arabophones, oui. Alors peut-être, pour donner une idée, j'aurais dû le montrer avant, mais voilà, un exemple de cette culture manuscrite. Alors là, ça, c'était un de ces manuscrits coproduits, je parlais de coproduction de sources tout à l'heure. Ça, c'est un texte extrêmement intéressant qui raconte les pratiques culturelles. Il raconte en fait les visites que les populations du Homsab rendaient aux saints locaux, donc aux musulmans pieux des générations précédentes qui étaient honorés et dont on espérait l'intercession pour les prières auprès de Dieu, par des prières. Et ça, c'est un manuscrit qui a été composé à la demande en fait d'un folkloriste français, mais par un cadi, par un juge ibadite. Ce qui pourrait aussi expliquer qu'on a affaire à une graphique, disons, qui est très sobre. Tout à fait lisible, oui. Alors là, on a une graphique qui est sobre, mais moins lisible, qui est un manuscrit polémique écrit par un opposant des réformistes dans les années 30. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement cette question des luttes internes à la communauté. Et là, on a un texte, un écrit plutôt de type administratif. C'est un accord passé par les cercles, en fait, par ces institutions que j'évoquais tout à l'heure, donc les institutions vernaculaires qui datent de la période, disons, de la fin de la période médiévale, du début de la période moderne,
Et donc, ils passent un accord, là, hein, les institutions des sept Ksour, en 1928. Alors, c'est un accord pour interdire aux femmes de voyager hors de la vallée. Toute une question passionnante. Et dans l'évolution, tout à l'heure, vous me posiez cette question sur les imprimés cheap, les imprimés qui circulent facilement. On a aussi, dans les années 30-40, l'apparition de tracts, des tracts, des affiches. Donc l'imprimerie, la lithographie hein, permet, et puis le papier peu cher, permettent vraiment un changement radical des sources. Et peut-être pour ce changement radical des sources, et je ne serai pas plus long, la presse aussi pour ça est intéressante, c'est que les formats deviennent très courts. Je vous évoquais toutes ces œuvres monumentales en plusieurs tomes, tous ces commentaires, des commentaires de commentaires, des commentaires d'abrégés. En fait, toute cette culture, elle disparaît très radicalement en fait, entre les années 20 et les années 50, à la faveur notamment de la presse, dans laquelle les oulémas se mettent à écrire. Et évidemment, ce sont là, pour le coup, des formats extrêmement courts. Alors, c'est plus facile pour l'historien. C'est aussi une langue, en fait, rénovée. Hein. L'imprimerie conduit à rénover le style, à adopter une ponctuation qui n'était pas là auparavant ou qui était présente d'une façon différente. Enfin, vous avez des évolutions extrêmement fortes qui accompagnent des changements aussi de la rationalité religieuse. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ce changement de médium implique dans le changement de l'intervention religieuse ou de l'intervention théorique? En fait, il implique un changement très fort de l'autorité religieuse, des modes de transmission des savoirs religieux et aussi de leur contenu. Ouais, ça c'est vraiment clé et c'est toutes ces transformations que la formule de réformisme vient caractériser et en même temps cacher et trahir. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par des débats et des luttes féroces et des luttes théoriques beaucoup plus fortes. Ça se traduit par des discussions sur de nouveaux objets qui sont aussi là où vous y allusion au voyage de femmes hors de la vallée, disons à des pratiques de mœurs qui sont nouvelles et qui changent et auxquelles se confrontent ces penseurs. Alors ça se traduit par des luttes très fortes autour de l'autorité religieuse et disons du magistère. Donc à la fois des institutions qui permettent de parler, donc avec beaucoup d'excommunication mutuelle de lettrés qui sont soit les tenants des anciennes institutions, soit ceux qui choisissent le réformisme et l'utilisation de ce type de médias qui leur permettent de passer outre les chires de mosquées, en fait. Donc ça, c'est un exemple de ces luttes. Un autre, c'est vrai que ces luttes se cristallisent aussi beaucoup, alors pas forcément tellement autour de débats théoriques, mais autour, ou disons que les débats théoriques se cristallisent autour de choses extrêmement concrètes. C'est justement la question de la licéité de certaines pratiques rituelles, donc ces visites pieuses rendues aux tombes des saints, par exemple. Donc en fait, toute la piété populaire est remise extrêmement en cause par les réformistes. Et alors ça, c'est quelque chose qui est défendu. Enfin, cette piété est défendue bec et ongle par ceux qui se veulent conservateurs. Bon, c'est plus compliqué que ce que je viens de dire, mais on va s'en arrêter là-dessus. Et inversement, pas de protestation en ligne virulente pour l'instant. D'accord. Et inversement, les réformistes, eux, défendent, par exemple, la consommation de produits européens, l'utilisation de du téléphone, par exemple la question de l'utilisation du téléphone pour annoncer l'heure de la rupture, les horaires, le calendrier en fait, de la rupture du jeûne pendant le ramadan. Ça, c'est une lutte féroce pendant 15 ans entre les oulémas des différents partis et entre leurs ouailles aussi, en fait, qui se disputent et qui n'observent pas le même calendrier et qui en viennent aux mains hein, régulièrement. Ça peut être, après, c'est la question du port de la barbe, est-ce qu'on peut la raser, est-ce qu'on peut ne pas la raser, est-ce qu'on a le droit d'être pris en photo, voilà, tout un ensemble de choses extrêmement concrètes, c'est la vaccination, c'est est-ce que les femmes peuvent se rendre aux convocations administratives de l'administration française, donc oui, c'est des choses très, très concrètes, et en fait, ce qui est passionnant à étudier, c'est que derrière ces luttes qui paraissent parfois un peu picrocolines, c'est un peu cloche-merle hein, parfois. Non. En fait, derrière, vous avez des enjeux théoriques forts, notamment en fait toute la rationalité du fiqh, du droit musulman, qui est en pleine transformation. Notamment du fait que le champ d'application de ce droit est drastiquement réduit par
par l'expansion des tribunaux civils coloniaux. Ce qui est en jeu aussi derrière ces luttes juridiques, c'est la question de la définition symbolique des frontières de la communauté. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être ibadite? Est-ce que quand on est ibadite, on peut faire ci ou ça? Et en fait, derrière tout ça, ces oulémas redéfinissent les frontières de la communauté, alors par rapport aux Européens, mais aussi par rapport à la majorité sunnite malékite du pays. Et si on reprend cette généalogie, on va dire, de médiologie, qu'est-ce qu'après l'indépendance, on a aussi l'accès à des nouveaux vecteurs comme la radio, je vois la télévision Oui, alors j'ai moins suivi ça. Je dois avouer que j'ai pas suivi de très près la question de l'évolution de ces médias depuis. Enfin, disons dans les années 70-80. Après, j'ai vu ça concrètement pour les années 2000. Et oui, en effet, en fait, c'est tout à fait intéressant. Hein, c'est que comme un peu partout dans les régions majoritairement musulmanes, la multiplication des médias conduit à une multiplication des autorités religieuses, des positions depuis lesquelles on peut parler. Mmh. Et du coup, elle alimente des divisions extrêmement nombreuses. En fait, le magistère religieux ibadite au Mzab aujourd'hui je ne sais pas s'il est très divisé, mais disons que les autorités se sont multipliées. Alors qu'ils peuvent avoir des conflits, hein, mais donc dans l'époque que j'étudie, on a une division entre réformistes et conservateurs, et aujourd'hui, on a en fait beaucoup plus de différentes écoles qui coexistent plus ou moins bien. Et ça, c'est un effet évidemment de la radio, d'internet. Alors la télévision, je suis moins au point là-dessus, mais oui. Et si on tire le fil jusqu'à la situation actuelle, alors d'abord, je ne sais pas dans quelle mesure le Mzab est un terrain sur lequel vous avez pu revenir depuis vos travaux de recherche initiaux. Alors, je n'y suis pas retourné récemment, malheureusement. Alors là, en ce moment, évidemment, c'est impossible. Mais c'est pas parce que ce n'était pas possible, c'est plus que je me suis lancé dans d'autres projets, voyagé dans d'autres horizons. Mais non, c'est un terrain dans lequel on peut toujours aller. Alors, il y a eu des luttes très fortes entre ibadites et malékites entre 2013 et 2015, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'y suis encore allé à cette époque-là. C'était compliqué, hein, mais moi et d'autres collègues chercheurs y sommes allés malgré tout. Non, là, c'est plus la crise sanitaire actuelle, évidemment, qui rend les choses plus compliquées. Mais je compte bien y retourner. Mais dans le contexte politique actuel de l'Algérie et du Irak, est-ce qu'il y a une particularité du Mzab? Est-ce que la communauté ibadite a une application particulière? Ou est-ce que c'est une question, une observation que vous avez... Alors, je n'ai pas observé ça de façon très rigoureuse et systématique, mais de ce que j'ai vu, en fait, c'est un des points sur lesquels ces divisions que j'évoquais de l'autorité, alors religieuse, mais aussi politique, notabilière, se cristallisent. C'est-à-dire qu'un certain nombre, notamment de notables, ont eu une attitude plutôt prudente. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que c'est une population qui est minoritaire à double titre, sur un plan religieux, sur un plan linguistique, et dont institutionnellement, la position est relativement fragile. Et du coup, c'est comme souvent les minorités, elles sont en quête de protection. Et du coup, on voit bien que les notables ont eu plutôt une attitude prudente face au Hirak, alors même que d'autres milieux plus militants du Mzab ou de la diaspora mozabite dans le nord du pays se sont engagés pleinement dans ces revendications, et notamment au nom de la défense de l'identité berbère du Mzab et plus largement de l'Algérie. Donc c'est un champ de force, là aussi. Alors, justement, pour revenir à vos sources, à votre travail, puisqu'on parle justement de cette identité berbère, les sources que vous avez utilisées sont donc des sources coloniales et sont des sources arabes, mais en étudiant une population qui est majoritairement berbérophone. Qui est entièrement berbérophone. Alors, est-ce que... Bon, j'imagine qu'on ne peut pas parler toutes les langues, nous ne sommes pas tous panglos, mais du coup, cette... absence de sources berbères, est-ce que c'est une lacune, un angle mort, ou est-ce que les sources mobilisables n'étaient de toute façon pas des sources berbères? Alors,
C'est évidemment, donc je ne parle pas le berbère et je le lis encore moins. J'avais acquis quelques notions sur le terrain quand j'ai fait des terrains un peu longs au départ, mais pas grand-chose. Alors je dirais que c'est une limite pour les terrains que j'ai entrepris. C'est-à-dire que j'aurais sans doute pu recueillir davantage de témoignages peut-être plus riches, plus variés, si j'avais parlé le berbère, donc sur la mémoire de l'histoire sur laquelle je travaille. Après, sur les sources elles-mêmes, je ne crois pas que... je n'ai jamais croisé de sources en berbère sur la période que j'étudie. C'est-à-dire que le Homzable est la population, donc la langue maternelle est le berbère, mais on écrit, en fait, et ça, depuis la période moderne, les lettrés écrivent toujours en arabe. Ensuite, à partir du XXe siècle, éventuellement en français aussi, mais l'écriture du berbère est revenue en fait en faveur dans certains milieux berbéristes, berbérisants, seulement, je pense, dans les années 1970-80. Vraiment, l'essentiel de la documentation, enfin, les oulémas sur lesquels j'ai travaillé écrivaient en arabe. Après, là où j'aurais pu utiliser des sources berbères, je réfléchis en même temps que je vous parle, c'est si j'avais pu utiliser et si j'avais eu accès à des enregistrements. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a eu d'enregistrement, notamment des discours, des prêches dans les mosquées qu'après l'indépendance, donc c'est après ma période. Et là, pour le coup, les prêches sont souvent dans une langue hybride, c'est-à-dire que de ce que j'ai entendu, le khatib, le prêcheur, passe en fait rapidement de l'arabe classique au parler berbère mozabite et de façon très, très fluide. Et là, évidemment, oui, c'est des sources qu'un berbérisant pourrait exploiter bien mieux que moi. Alors, cette question sur le berbère, elle m'était aussi en quelque sorte soufflée par un autre type de source. Et ce sont les sources orientalistes, c'est-à-dire vos prédécesseurs de la période coloniale en un sens, puisque dans les publications, on va dire, de type académique de l'Université d'Alger ou de l'École des langues orientales, l'ibadisme est en fait un objet de berbérologue. Et ce sont des personnes comme René Basset, Botinaski, qui s'intéressent aux ibadites, quoi, surtout pour Motinaski, parce qu'ils s'intéressent aux berbères. Et du coup, ces sources orientalistes, vous les avez mobilisées aussi dans votre recherche ? Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Motinaski, comme Basset, sont des grands berbérisants, mais ce sont aussi des arabisants, justement. Donc, ils ont travaillé sur des sources dans les deux langues. C'est très bien que vous me reparliez de ça, hein, puisque j'ai été très allusif sur mon corpus européen, si je puis dire. Donc j'ai utilisé des sources de l'administration coloniale algérienne, j'ai utilisé des sources diplomatiques, j'ai utilisé des sources qui émanaient aussi bien de l'administration coloniale à Alger que sur le terrain même, avec notamment les archives conservées à la wilaya de Gardaïa aujourd'hui, hein, la préfecture, si vous voulez. Et j'ai utilisé aussi deux autres types de sources qui sont... beaucoup plus érudites, qui sont les sources des orientalistes et les sources missionnaires. Les orientalistes commencent à s'intéresser, donc des savants orientalistes commencent à s'intéresser aux Mozabes dans les années 1860-70, surtout à la fin des années 70, hein, le principal d'entre eux, qui est Émile Masqueret, se rend aux Mozabes avant la conquête et après la conquête, et il joue un rôle en fait tout à fait clé dans la mise en place d'une étude, c'est un peu anachronique, hein, mais d'une anthropologie des berbères, d'une étude aussi des sources médiévales, plus religieuses, islamologiques sur l'ibadisme. Et il est suivi donc par son successeur à l'École des Lettres, qui est René Basset, qui lui s'intéresse davantage au parler berbère du Mzab. J'ai mobilisé ces sources-là, notamment pour toutes les annotations qui étaient faites sur... c'est-à-dire que ce sont des gens qui envisagent la région comme le témoin, le réceptacle de périodes anciennes. C'est-à-dire que pour eux, comme pour beaucoup d'anthropologues de l'époque, hein, l'éloignement dans l'espace vaut l'éloignement dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très archaïsante de la région. Ils s'intéressent assez peu à ce qui s'y passe à l'époque dans laquelle ils vivent. Mais malgré tout, il peut y avoir des notes de bas de page dans lesquelles il y a des choses intéressantes, il peut y avoir des correspondances dans lesquelles des annotations sont intéressantes, et leur relation avec les lettrés
de l'époque, avec leurs intermédiaires, sont tout à fait passionnantes. Masqueret, par exemple, a le Schirtfayez pour intermédiaire. Ils travaillent ensemble. Donc ça, c'est des choses vraiment intéressantes. Vous voulez dire qu'ils travaillent ensemble, c'est un informateur ou c'est quelqu'un qui ouvre la porte de bibliothèque? Quel est le type de relation, de travail qu'ils ont? Alors, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont vraiment travaillé, je pense, lu des documents ensemble. Mm-hmm. Que Tvayesh donne des documents et qu'ils les lisent ensemble. Ça peut être aussi avec Motilinski, donc qui est un peu le successeur. Enfin, Motilinski est devenu universitaire, mais il était d'abord interprète militaire et il était au MSAB. Il est nommé, je pense, en 83-84. En fait, il y a les deux configurations. Il y a des gens qui ouvrent des portes ou qui donnent des documents, comme Tvayesh, et puis il y a davantage des intermédiaires plus... Des assistants de recherche. Des assistants de recherche qui aident dans la copie de manuscrits, la traduction ou des choses comme ça. Oui, on voit les deux configurations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait pousser. Hein. C'est là aussi étudier la dimension économique de ce travail. Je vous disais que les lettrés dont la position était déstabilisée dans la société s'investissaient dans l'imprimerie, mais en fait s'investir comme intermédiaire des orientalistes ou de l'administration, c'est une autre façon en fait d'investir ce capital qu'est la compétence, enfin le fait d'être lettré dans un monde où majoritairement les gens sont illettrés. Donc ce serait intéressant de comprendre aussi les rationalités économiques à l'œuvre derrière ces choix. Et peut-être politique aussi. Et peut-être politique aussi, puisque notamment le Schirtfayez émet une fatwa qui autorise à travailler au service de l'administration française. Mm-hmm. Puisque là aussi, c'est un point qui est en débat entre savants. Alors ça, vraiment, au tout début de l'arrivée des Français, enfin de la conquête. Mm-hmm. Et sur ces questions d'orientalisme et de sources berbères, j'y pense en vous parlant. Plus tard, en fait, c'est intéressant, c'est que ces savants donc, de la fin du 19e qui s'intéressent aux berbères, aux parlers berbères, sont conduits à utiliser surtout des sources de langue arabe, par-delà l'étude du parler berbère lui-même. Mais dans l'entre-deux-guerres, on a vraiment une dialectologie, enfin, on appelle ça comme ça à l'époque, qui se développe et qui là... on a des savants, alors c'est beaucoup des pères blancs, hein, des missionnaires catholiques, qui vont écrire des textes, qui vont recueillir des contes, recueillir des textes en berbère, les mettre par écrit. Et ça, j'ai utilisé ce type de source, mais ce n'était pas très facile parce que là encore, elles sont souvent dans un espèce de hors-temps qui les rend difficiles à utiliser pour l'historien. C'est un peu du folklore... Vous voyez, des histoires d'ogres, c'est pas forcément très facile pour un historien. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y aurait quand même un type de collecte, si je vous entends bien, entre l'orientaliste militaro-universitaire et le père blanc, qui sont des types de collectes différentes. Oui, complètement. Oui, et ça, des années 1870-80 jusqu'au... Alors, le dernier père blanc qui a fait des travaux vraiment importants sur l'Ibadis, Pierre Kuperli, dans les années 1980. Et évidemment, la méthodologie n'a absolument plus rien à voir. Non, ça, on a des configurations très, très variées. Et avec aussi une ethnographe qui est passionnante, qui est une femme, qui est venue à la fin des années 20 travailler sur ce qu'elle a appelé la vie féminine au MSAB. Avec, en fait, c'était des commandes, là aussi, de l'administration, hein, derrière, avec l'idée que si les Français comprenaient la vie féminine, la société locale s'ouvrirait pour eux, ils arriveraient à mener le projet colonial à son terme. Oui. Alors, peut-être revenir sur cette... disons, l'usage de ces sources et de cette histoire aujourd'hui au MSAB, vous avez fait des allusions déjà, disons, aux associations de type culturel, cultuel ou patrimonial, et sur ce travail de valorisation de cet héritage et réformiste et ibadite aujourd'hui. Oui, alors j'ai tout un pan de sources qui sont, disons, postérieures à la période que j'envisage, hein, que j'ai utilisée, alors qui sont soit... Parfois, je les ai considérés comme des sources primaires, parfois comme de la bibliographie, puisque, en fait, dès 1962, c'est vraiment frappant, hein, c'est à l'indépendance,
des élèves des oulémas réformistes ont commencé à mettre par écrit l'histoire de ce qu'ils ont nommé le mouvement réformiste, al-Haraka al-Islahiya. Donc il y a vraiment la conscience d'une rupture très forte avec l'indépendance. Voilà, on est entré dans un nouveau temps. Et cette histoire qu'on a vécue pendant la période coloniale, il faut vraiment, c'est notamment un historien qui s'appelle Mohamed Ali Debbouze, sur lequel un colloque est organisé au MZAB la semaine prochaine, et je vais probablement parler là aussi à travers Internet. C'est lui donc qui a décidé de mettre par écrit cette histoire et en disant voilà, la mémoire de ce moment se perd. Et alors lui a été enregistré les chiours et a mis par écrit cette histoire. Et à sa suite, en fait, on a tout un travail, alors à la fois un travail d'histoire qui est entré dans des canons universitaires progressivement, puisque alors, le Mohamed Ali Debbouze, ce n'est pas vraiment universitaire, mais il a eu des élèves qui, eux, sont entrés dans l'université algérienne et ont fait des travaux, une historiographie tout à fait intéressante, alors souvent assez nationaliste et vraiment, vraiment très, très riche. Et puis, il y a aussi tout un travail de mise en valeur du patrimoine réformiste, alors qu'il est parfois lié à ce travail de mise en valeur du patrimoine des manuscrits que j'ai beaucoup évoqué plus tôt, mais qui est aussi distinct. Alors c'est le fait en fait d'associations distinctes. En fait, moi j'ai travaillé avec trois associations principalement, deux qui s'occupent vraiment du patrimoine manuscrit, disons lettré noble ancien, l'association Abou Ishaq et la fondation Ammi Saïd. Et puis vous avez aussi la Jam'iyyat al-Turaf, qui est l'association du patrimoine, qui, elle, est vraiment une association des élèves et des descendants des réformistes, et donc des réformistes sur lesquels j'ai travaillé, et qui s'occupe surtout d'éditer leur œuvre. Alors ça peut être l'édition de discours qui avaient été enregistrés, ou bien de notes de discours, ça peut être l'édition de fatwas qui ont été rendues, l'édition de correspondances. Alors là, malheureusement, ce ne sont pas des éditions scientifiques. Les autres font un travail tout à fait scientifique. Eux, c'est moins scientifique et du coup, ce n'est pas toujours utilisable. Il y a notamment l'édition du tafsir, donc du commentaire coranique du Cheikh Bayoud. Alors, Cheikh Bayoud, je n'ai même pas dit son nom, alors que c'est là vraiment un des... On l'a vu passer très rapidement. Une des figures centrales du mouvement. Alors, il est là au tout début, Cheikh Bayoud. Donc, c'est lui qui, avec Abou Ishaq et Tfayesh, a porté ce slogan de la réforme, et c'est surtout lui qui a été des réformistes, lui qui s'est vraiment lancé en politique. Là, on le voit aussi, vous voyez, à côté d'Abou Lirzan et à côté d'un autre qui s'appelle Abdelrahman Bakelli, qui lui était spécialisé dans les questions économiques. Là, on a Bayoud à gauche, qui est dans son grand âge, quand il devient vraiment une figure de sage, alors qu'avant, il était davantage un homme politique. Son tafsir, son commentaire coranique est publié, mais là, c'est à partir d'enregistrements, donc des années plus tard, à partir des années 70. Et malheureusement, c'est un travail qui n'est pas utilisable pour un historien. Je pense que pour un islamologue qui s'intéresserait vraiment à l'évolution du tafsir, ce serait intéressant. Mais pour moi, il n'y avait pas du tout de travail critique au sens historique. Mais ce sont des entreprises de publication donc ont plutôt une finalité mémorielle et religieuse, mais qui ont un public, qui ont un marché. Vendu dans quel type de librairies ? Dans des petites librairies. Alors dans les associations locales, dans les petites librairies. Ça se diffuse en fait dans les réseaux de la communauté mozabite, dans l'ensemble de l'Algérie et au-delà, et éventuellement aussi auprès d'ibadites tunisiens ou omanais. Il y a un vrai réseau et un vrai marché, tout à fait. Je réfléchis en même temps, et c'est en fait la distinction entre ce travail de mémoire et le travail des historiens locaux n'est pas toujours extrêmement nette. Ce sont des mondes très imbriqués, mais c'est ça aussi qui en fait toute la richesse. Et cette valorisation, elle repose uniquement sur un patrimoine écrit ou un travail d'édition, ou il y a aussi un travail de patrimonialisation de lieux, de fêtes, ça passe par d'autres... Alors oui, c'est assez intéressant comme question. Alors il y a un travail de patrimonialisation des lieux qui est en fait assez ancien.
j'ai réussi à remonter en fait le Shir HaTfayesh, le grand là, de la fin du 19e. J'ai trouvé en fait un poème justement de, il me semble que c'était un poème d'Abou Yaqzan, donc lui, qui dans les années 50 saluait la transformation, enfin l'ouverture de la bibliothèque du Shir HaTfayesh au public. Donc cette bibliothèque, elle est ouverte au public et elle est du coup patrimonialisée dès les années 1950. Plus récemment, alors les lieux qui sont les lieux de mémoire du réformisme, si je puis dire, ce sera surtout les écoles. C'est là que c'est dans les écoles réformistes qui existent toujours aujourd'hui que qu'on célèbre la mémoire de leurs fondateurs réformistes et que l'on et que parfois on comment dire le enfin certains lieux sont préservés, sauvegardés, notamment à Guérara. Mais sinon, par exemple, les maisons dans lesquelles ces chours ont vécu ne sont pas spécialement mises en valeur. C'est plus les écoles, de ce que je vois. Alors, ma collègue Juliette Pinson m'a heureusement fort à propos alerté sur le fait que nous avions des questions qui étaient posées par le public. Alors, en fait, j'avais fait l'erreur de ne pas rafraîchir ma page, donc je ne les avais pas vues surgir. Donc, je vais peut-être les regrouper parce qu'en fait, il y en a quand même plusieurs. Oui, alors pendant que vous regardez, je peux faire passer les images, je ne sais pas si... Oui, non, ça va. Ça va ? Alors, la première était de revenir peut-être sur la place de l'ibadisme dans l'islam aujourd'hui, et en Algérie, dans le monde, donc si C'est vrai que j'ai été, c'est vrai que j'ai été très allusif sur ce qu'est l'ibadisme. Donc l'ibadisme... Je vous l'ai dit rapidement au départ, est un rameau d'une branche quasiment disparue de l'islam. C'est-à-dire que dans les disputes autour de la succession du califat, qui ont vu au 7e siècle émerger progressivement le chiisme et le sunnisme, une autre branche s'était affirmée, qui a été appelée alors, par les hésiographies sunnites, les kharijites. Donc c'est un terme qui est infamant. Et que rejettent les ibadites, mais les ibadites viennent de ce rameau à l'origine, et aujourd'hui ils sont vraiment une très petite minorité. Alors leur place, je dirais que sur un plan doctrinal, en fait les querelles doctrinales sont très peu abordées aujourd'hui. À la période du réformisme déjà, vraiment il y a cette idée qui est importante parmi les réformistes, que la doctrine est une source de division et que donc il vaut mieux la laisser de côté pour se rapprocher des autres branches de l'islam. Et donc les ibadites, à partir des années 20-30, ont réécrit, c'est les réformistes sur lesquels j'ai travaillé, c'est le chapitre 5 qui en parle, ils ont beaucoup réécrit leur histoire de façon à pouvoir s'intégrer dans la vision majoritaire que les sunnites ont de l'histoire islamique. Ils essayent davantage d'être vu comme un cinquième madhab, c'est-à-dire une cinquième école juridique du sunnisme. Alors ça ne marche pas toujours, on a des relations quand même conflictuelles, avec éventuellement des accusations d'hérésie qui peuvent surgir de temps en temps de part et d'autre, mais qui sont souvent en fait commandées par des contextes socio-économiques, politiques, locaux. Un autre point peut être intéressant pour répondre, donc j'ai répondu d'abord sur le plan des doctrines. L'autre question, elle concerne surtout Oman, c'est une question plus géopolitique, c'est-à-dire que l'ibadisme, Oman, n'étant ni sunnite ni chiite, se place grâce à marquette un peu cette identité ibadite comme une forme d'islam modéré, d'islam de la tolérance, et qui permet aussi d'être un go-between dans les négociations diplomatiques entre les deux géants de la région, puisque Oman est au bord du Golfe, ferme le Golfe Persique, donc que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. Voilà un peu du coup pour la place de l'islam ibadite dans l'islam aujourd'hui. Alors, il y a une autre question complémentaire qui était posée, c'est une question qui était posée par une autre personne, celle de la relation entre les mozabites ibadites et les autres Algériens berbères et arabes. Donc je pense que sur cette question des autres Algériens, l'inscription dans l'ibadisme en Algérie aujourd'hui, vous y avez en grande partie répondu, mais peut-être la question de la place des berbères ibadites avec les autres berbères d'Algérie, ça c'est peut-être une question que vous n'avez pas encore... Alors en fait, mon dernier chapitre essaye de traiter de ces questions en montrant comment les lettrés, les notables réformistes du Mzab ont réussi à préserver une place spécifique
une marge de manœuvre pour les Ibadites dans l'Algérie indépendante, notamment en préservant leur système d'école, toutes les associations réformistes, et en préservant aussi les habous, donc les biens, les fondations pieuses ibadites. Pour ce qui est de la relation, alors ensuite, c'est quand on parle de relations avec la majorité arabophone ou les autres berbérophones, mais sunnites, c'est difficile de faire des généralités. Parce qu'en fait, disons que globalement, à l'échelle de l'Algérie, les choses se passent bien. Le problème, c'est à l'échelle locale, où ça peut coincer, notamment pour des raisons en fait, de maîtrise du foncier. Enfin, il y a tout un ensemble, il y a tout un contexte économique, social, politique, difficile, Homs-Ab même, qui fait que les relations avec les populations arabophones de la vallée peuvent se tendre de façon très, très dramatique. Hein, mais alors, c'est pas tout le temps tendu. Et alors, il faut bien voir aussi que les Mozabites sont devenus... Enfin, je ne sais pas s'ils sont encore majoritaires aux Homs-Ab même. C'est-à-dire que là, vous aviez une minorité d'arabophones et aussi d'ailleurs une minorité juive, ce que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début, Homs-Ab. Alors, les populations juives ont quitté le pays en 62, mais les Malikites se sont implantés, en fait, se sont sédentarisés dans la région ou se sont implantés depuis le nord de façon très forte, notamment parce que la région connaît un fort développement économique. Et du coup, c'est aussi une des explications des relations. Enfin, disons que voilà, les relations ne sont pas toujours évidentes entre ces nouveaux venus et les populations berbérophones du Homs-Ab. Et cette évolution de la démographie, du peuplement, elle est postérieure à l'indépendance ou elle commence avant. Années 30 elle commence dans les années 30, 40. Elle s'accélère, en fait, je pense, à partir des années 40. Et elle s'est accélérée vraiment de façon très forte à partir des années 70, avec notamment la découverte des champs, enfin avec l'exploitation croissante des champs gaziers de Hassermel, qui sont parmi les plus grands au monde, et qui sont en fait à 50 km de là, enfin vraiment tout près. Et le Homs-Ab est devenu aussi un nœud des transports très important, une capitale administrative. Enfin, du coup, la population arabophone a vraiment cru énormément. Et alors pour les relations avec les autres berbérophones, en fait, il y a un milieu militant berbériste, berbérisant et berbériste, hein, parce que je ne sais pas très bien où se situe la frontière entre une militance culturelle et politique, qui s'est développée au Homs-Ab peut-être depuis les années 80, et qui est devenue très fort, notamment à la faveur des luttes, justement, entre arabophones, berbérophones, ibadites, sunnites, du début des années 2010, et où là, en effet, on peut avoir des jeux d'alliance entre certains militants berbéristes du Homs-Ab et des militants berbéristes du nord de l'Algérie. Mais j'avoue que ce n'est pas des questions que je connais très bien. Je les ai observées. J'ai vu telle ou telle association, cellule se développer un discours, mais je n'ai pas étudié ça de façon systématique. Alors, dans votre réponse, vous avez quand même insisté sur la place que jouent les écoles, l'investissement éducatif. Et donc, ouais. On a justement une question d'une des auditrices qui demande quelles étaient les sources de financement de cet investissement éducatif, notamment dans les années 30. Alors, ça, c'est tout à fait central dans le processus que j'étudie. C'est-à-dire que depuis la période moderne, un système d'école qui dépendait des mosquées, qui s'étaient développées et qui étaient juste des écoles coraniques principalement, et qui en fait sont complètement dépassées à partir des années... Enfin, ça commence dans les années 20 et surtout à partir des années 30-40 par un réseau d'écoles réformistes, donc qui sont des associations, des structures de la loi 1901 réinvestie par les Algériens, et qui sont financées très principalement par des commerçants du Homs-Ab. C'est-à-dire que les ressources Homs-Ab étaient insuffisantes pour faire vivre la population. Depuis la période moderne, vous aviez déjà une présence commerçante de population du Homs-Ab dans les villes de l'Algérie, de la province d'Alger ottomane et de la province de Tunis ottomane d'ailleurs. Et en fait, cette présence commerçante, ces migrations de travail, ces migrations de commerce se développent de façon exponentielle à partir des années 1880. En fait, les Mozabites ont vraiment, enfin certains ont vraiment pris, se sont complètement investis dans le capitalisme colonial. Et c'est en fait cette nouvelle élite économique qui a vraiment noué une alliance avec
les nouveaux lettrés, cette nouvelle classe de lettrés qui étaient les réformistes, et qui a soutenu leur combat, donc qui a financé la presse, qui a financé les écoles, et qui en retour a vu ses pratiques, ses modes de vie, ses pratiques de consommation, ses pratiques aussi commerciales et financières légitimées par ces oulémas. Donc on a une alliance, c'est mon chapitre 6, on a une alliance entre les deux, hein, qui est très nette et qui permet le développement de ces écoles. Alors écoles qui se développent aussi, ça c'était intéressant, j'avais trouvé des témoignages de ça pendant la période de la guerre d'indépendance, donc de la guerre, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, et ce qu'on appelle la révolution algérienne en Algérie. Visiblement, il y a eu une grosse école qui a été, et un internat qui avait été développé à Guérara, donc une des villes du Mzab, celle d'où viennent Bayoud et Abou Lirkzan. Alors, mentionnez Bayoud, pardon, je vous interromps, c'est une des questions qui est posée, donc je confirme bien que l'illustration de couverture de l'ouvrage, c'est le Cheikh Bayoud. Oui, oui. Et cette école est aussi construite grâce à un système j'ai le mot berbère Touiza, et j'arrive plus à. C'est le mot travail forcé qui me vient, mais c'est pas du tout ça. Mais en gros, un système de corvée, en fait, de corvée communautaire, qui est consenti par les membres de la communauté et qui ont contribué à construire cette école. Et si on voulait échapper à cette corvée, on pouvait aussi donner de l'argent. D'accord. Donc ça, c'est un autre mode de financement de ces constructions d'écoles. Pardon, j'ai été trop long. Non, je pense que ça permettait de répondre à la question. En fait, c'est effectivement des éléments sur lesquels on n'avait pas eu le temps de développer. Et peut-être juste concrètement, ces écoles, quand on dit écoles réformistes, hein, c'est parce qu'en fait, c'est intéressant, hein, mais les luttes, elles se jouent sur des choses qui nous paraissent très anodines. Hein, c'est tout simplement, est-ce qu'on a des tables, des chaises, un tableau avec de la craie, quel type de savoir on enseigne? Donc, est-ce qu'on enseigne le français? Est-ce qu'on enseigne les sciences dites modernes, qui sont les sciences des Européens? Et donc, toutes ces écoles, elles servent à ça, à donner un enseignement. Quand vous faites allusion au mobilier, au tableau, vous voulez dire que c'est le dispositif pédagogique qui est source de débat. Disons européen, ou est-ce que c'est un dispositif pédagogique traditionnel? C'est quoi l'enjeu du débat, non? Oui, c'est ça l'enjeu, c'est que le dispositif pédagogique du coup de table de l'école coranique, où les enfants étaient assis par terre, qui n'avait rien à voir, est complètement remis en cause. Et ces écoles réformées proposent un dispositif neuf, alors qu'il n'est pas forcément pensé comme européen parce qu'il est médié par l'Égypte. Beaucoup, hein, souvent, la vérité vient davantage d'Égypte que d'Europe, mais souvent, ce sont des mœurs européennes adaptées, en fait, en Égypte. Alors, nous avions d'autres questions qui étaient posées. Alors, il y en avait une sur les sources berbères. Je pense que la question est arrivée avant que je la pose moi-même. Donc, oui. Celle-là, je pense qu'on y a répondu. Il y a une question qui vous invite à revenir sur les relations entre les Juifs du Mzab et les Mozabites, oui, et les Arabes au sein du Mzab. Et aussi, c'est deux questions distinctes, mais je vous les pose en même temps pour que vous puissiez organiser votre réponse, sur la place des femmes dans cette société du Mzab. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Et désolé de ne pas avoir abordé ces deux points qui sont quand même fondamentaux plus tôt, mais c'est vrai que là, c'est toujours compliqué de mettre en place un paysage d'un livre qui est quand même assez dense. Alors, donc, au Mzab, une minorité, alors numériquement très faible, hein, de juifs, existait, mais qui est importante à plusieurs titres. Alors, d'une part, sa présence était extrêmement ancienne. Ils étaient surtout présents à Gardaïa, donc la principale ville du Mzab. Et ces populations, en fait, sont extrêmes. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que elles n'ont pas bénéficié, entre guillemets, du décret Crémieux, qui, en 1870, a donné la citoyenneté française aux populations juives d'Algérie. Comme elles étaient dans les territoires du Sud, elles n'en ont pas bénéficié, aussi parce que la région a été conquise plus tard. Et du coup, ils n'ont eu la citoyenneté française qu'en 61, extrêmement tard, juste avant de partir en France, et en France et en Israël. Et du coup, on a là une configuration très intéressante. En fait, les populations juives du Mzab ont été un peu maintenues, en quelque sorte, sous la tutelle des élites ibadites. C'est-à-dire que l'administration française était très peu nombreuse localement et s'est beaucoup appuyée sur les notables du Mzab,
pour en gros, les Français ont trouvé plus économique de garder l'ordre politique préexistant. Enfin, ils l'ont en partie chamboulé, mais ils l'ont réinvesti, on va dire. Et du coup, ils ont eu comme intermédiaire les élites ibadites locales. Et en fait, il y a une sorte de pacte tacite qui est passé. Alors, il n'y a pas de traces de ça directement, mais on voit très bien que ces élites ibadites gardent en fait un peu un contrôle, alors relatif, sur les populations juives de la région, mais aussi en fait sur les populations maléquites avec lesquelles du coup les relations peuvent se tendre dans les années 20, puisque en fait les juifs comme les maléquites essayent d'utiliser la présence de l'administration coloniale pour contester cette prédominance des caïds ibadites. Et cette domination aussi, elle se fait sur les femmes, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les femmes du Mzab sont laissées comme un domaine d'administration locale, c'est-à-dire que c'est considéré comme une chose sur lesquelles des personnes sur lesquelles l'administration française ne va pas intervenir. Et donc, quand je vous ai montré tout à l'heure cet accord passé entre les institutions locales du Mzab qui visent à interdire aux femmes de voyageurs de la région, c'est tout à fait intéressant parce qu'en fait c'est lié au développement de la voiture et de ces classes de commerçants de ces nouveaux riches du Mzab, si on veut, qui veulent faire voyager leurs femmes, qu'elles viennent avec eux dans le Nord, et qui en fait en appellent à l'administration française pour que leurs femmes puissent voyager. Et le texte de cet accord, cet ittifaq, dit très clairement, nous savons que nous ne pouvons pas nous opposer aux lois de la République, mais, et ils émettent malgré tout une règle, et en fait l'administration se garde bien. J'ai travaillé sur les échanges entre Alger, entre les différents échelons de l'administration, qui dit très clairement, le gouverneur général de l'Algérie dit, là ça concerne les femmes, on ne va pas s'en mêler, laissez-les régler ces problèmes entre eux. Et du coup, les femmes se retrouvent vraiment comme étant le conservatoire de l'identité et des mœurs des Mozabites. Et c'est vraiment beaucoup sur elles que repose la clôture de la communauté et la transmission, notamment de la culture berbérophone. Mmh. Alors, j'en parle assez peu dans le livre. J'ai consacré un article à ces questions, mais on le trouve dans la bibliographie du livre. Et sous les Juifs, les relations, globalement, l'impression que j'ai, c'est que vous avez une frange de juifs du Mzab qui arrive à s'en sortir par le haut économiquement, c'est-à-dire qu'il a aussi s'investit dans le commerce colonial et qui parie un peu, alors comme le reste des juifs d'Algérie, sur les institutions françaises, donc sur l'école, qui connaît une ascension sociale via l'école, via les systèmes de santé français, etc. Et d'autres, à mon avis, qui restent très pauvres. Il y a beaucoup de travaux d'ethnographes de l'époque qui insistent sur la misère des Juifs du Mzab. Et les relations, en fait, entre les populations se tendent énormément, de ce que j'ai vu, autour de la question de Palestine, en fait, à partir de... Alors déjà un peu dès les années 30, et surtout à partir de 44-45. Et je pense que... Alors les Juifs du Mzab sont partis en 62 avec l'indépendance, mais en fait, les relations étaient... très dégradé depuis quelques années, dans ce que j'ai pu voir. Mais là ce n'est pas une question que je traite dans mon ouvrage, parce qu'en fait, les oulémas sur lesquels j'ai travaillé ne s'intéressent... Enfin, à les lire, on a l'impression qu'il n'y a pas de juifs au Mzab. C'est tout à fait frappant. Ce qu'on appelle une déformation de source. Oui, que je n'ai pas rétabli. Une autre question qui revient sur la mobilité sociale et de l'entre-deux-guerres à travers la question de l'éducation et qui cherche à savoir si dans l'entre-deux-guerres, il y a déjà des orientations des enfants mozabites vers les institutions d'enseignement du nord de l'Algérie, des grandes villes du nord, Tlemcen, Alger, Constantine, qu'il s'agisse d'écoles réformistes ou d'écoles coloniales comme les médersas d'État. Alors assez peu. Assez peu pour la bonne raison que ce sont seulement les hommes qui migrent. Ce sont seulement les hommes qui effectuent ces migrations. Enfin, les hommes plutôt que les enfants, les adultes plutôt que les enfants, ça vous voulez dire ? C'est-à-dire que les femmes et les enfants restaient au Mzab même. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il y avait cette nécessité de développer des institutions éducatives sur un modèle moderne. C'est que ces enfants n'étaient pas scolarisés dans le Nord. Alors j'ai trouvé quelques traces quand même de l'un ou l'autre qui, pour leurs études secondaires et supérieures, sont allés au lycée à Alger ou même à l'université.
Donc là, ce sera plutôt les années 40 et surtout 50. Mais globalement, dans l'entre-deux-guerres, c'est essentiellement, c'est plutôt la quête du développement d'institutions d'enseignement moderne localement. Et on en voit aussi, hein, et les réformistes encouragent à envoyer les enfants dans l'école publique française Homsab. Même si c'est des institutions assez faibles, mais vous avez l'école publique et l'école missionnaire. Et les réformistes, en fait, développent à côté de ça, soit pendant les vacances, soit avant et après la journée de classe canonique, un enseignement spécifique pour ces enfants ibadites, enfin un enseignement religieux et un enseignement de l'arabe en complément. Alors justement, ce sera sans doute la dernière question puisqu'on arrive au terme de la rencontre. Vous avez évoqué les écoles missionnaires, et donc une question qui vous proposait de développer un peu la question de la relation entre les missionnaires et les ibadites, qu'on a évoqué uniquement du point de vue, disons, du savoir, ouais. Mais pas forcément de... Alors, si les missionnaires s'investissent autant dans le savoir, c'est que l'évangélisation est un échec. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein. Les missionnaires, donc les pères blancs, puis les sœurs blanches s'implantent au Mzab. Alors, les pères blancs dans les années 1880, les sœurs au début des années 90. Les sœurs ouvrent un hôpital et elles vont avoir un apostolat essentiellement de soins, enfin médical, pendant toute la période. J'ai travaillé surtout sur les sources des pères, donc je serais plus à l'aise pour en parler. Mais disons que les relations en fait sont pas très chaleureuses jusque dans les années 20. C'est-à-dire que la plupart des oulémas battent froid aux pères jusque dans les années 1920. Les pères peuvent être proches de certains notables, qui sont les intermédiaires de l'administration coloniale. Ils peuvent être proches aussi de populations qui ont besoin de leur assistance. On voit que c'est surtout... Alors, il y a quelques conversions de la misère qui ne sont pas tant le fait d'ibadites que de sunnites. Et dans l'entre-deux-guerres, les choses changent. Alors, d'une part, les missionnaires renoncent de plus en plus, alors plus ou moins ouvertement, hein, parce qu'il y a des problèmes avec leur hiérarchie religieuse. Ce sera ouvertement seulement dans les années 40, mais ils renoncent à l'évangélisation. Ils s'investissent de plus en plus dans la connaissance de la société locale. On voit très bien que leurs sources témoignent d'une implantation vraiment croissante, hein, d'une connaissance beaucoup plus intime des acteurs et de ce qui se passe localement à partir de la fin des années 20. Quand vous dites que les sources en témoignent, ça veut dire que ce sont des publications ou c'est... Non, là, c'est vraiment les sources historiques, administratives. C'est les d'hier, en fait, c'est-à-dire c'est des journaux de communauté. D'accord. C'est-à-dire que les pères écrivaient soit une fois par jour, soit une fois par semaine. Il y avait un responsable de la communauté qui écrivait ce qui se passait. D'accord. Et ça devient de plus en plus tourné vers une observation de la vie locale. À la fin des années 20, c'est des sources passionnantes qui, en plus, ont un regard assez différent de celui de l'administration, ou en tout cas plus... On voit que c'est des gens qui restent plus longtemps. Et du coup, progressivement, cette situation qui était une situation... il y a d'avoir eu plutôt des écrits polémiques qui ont été produits à la fin du 19e siècle par des... Bat Fayesh écrit des polémiques anti-chrétiens. Et ça évolue vers une démarche de savoir de la part des pères. Pour les oulémas réformistes, une imitation, c'est-à-dire que le scoutisme catholique, les écoles des pères sont des modèles pour les institutions réformistes, même si ils restent quand même tout à fait méfiants. C'est très ambivalent, en fait. Et puis, à partir des années 50, les pères blancs, en fait, s'engagent dans le dialogue islamo-chrétien. Et du coup, alors c'est un peu hors sujet par rapport à mon livre, j'en parle pas vraiment, mais il y a eu tout un travail de rapprochement. Enfin, c'est intéressant, c'est-à-dire que les pères blancs qui sont restés après l'indépendance ont participé de ce mouvement en fait post-Vatican II de révision très forte des relations islamo-chrétiennes, un engagement dans le dialogue islamo-chrétien qui passe par la connaissance de l'autre, par un travail aussi par une présence en fait humble au quotidien auprès des populations locales. Voilà, en fait, il faudrait écrire un autre livre. C'est tout à fait intéressant, mais voilà, ils ont participé de ce travail d'inculturation, on peut le dire comme ça, de l'Église, de la toute petite Église catholique d'Algérie après, voilà, qui après l'indépendance n'est plus du tout le bras droit de la colonisation, mais essaye de transformer les modalités de sa présence.
Bien, merci beaucoup. Je m'ajoute aux remerciements que nous font les personnes qui ont posé des questions sur l'outil de messagerie. C'est moi qui vous remercie. Pour ce riche exposé. Je m'adresse à vous tous pour vous remercier de votre présence et de votre audience dans ce format confiné. Et donc, nous avons une regrettable coupure de la retransmission au moment où Augustin Jomier est en train de rendre compte des conclusions, disons, des avancées de son ouvrage. Mais donc vous retrouverez la vidéo in extenso sur la chaîne YouTube de la Bulac, bientôt sur des archives ouvertes libres comme ALSHS. Et puis les quelques sources auxquelles on a pu faire allusion au cours de cette discussion, notamment le billet de blog de Olga Adrianova sur les publications Ibadi-Tomanès, vous les retrouvez sur la page consacrée à la rencontre sur le site de la Bulac. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Portez-vous bien.